c'était incroyable. Bruce ou songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Bitcoin, crypto, NFT, argent. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Yeah, bienvenue à Avocadac Tabarnak, tout le monde. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Un podcast où est-ce qu'on va parler d'un sujet chaud de l'heure, mais qui est chaud depuis un méchant bout. On parle de crypto, de NFT avec des boys qui viennent de starter une compagnie dans le domaine. Et ce qui est très cool avec ce podcast-ci, là, sans vous dire tout ce dont on va parler, c'est que on vous vulgarise c'est quoi ces choses-là, mais on va plus loin que ça. Fait qu'on vous parle de c'est quoi les vraies techniques derrière ça. Pour cash out, pour réussir à faire de l'argent avec ça, comment réussir à vendre, acheter sans se faire avoir par ce domaine qui est quand même assez nouveau. Fait que vous avez aimé ça, ce podcast-là. Hein? C'était vraiment chill. Mais là, vous allez voir, en plus, c'est la première fois qu'on se retrouve à 6 autour de la table. Fait que je vais en profiter pour faire un petit shout-out à Long & McQuaid parce qu'il nous manquait un micro SM7B, il nous manquait des pieds parce qu'on était plusieurs autour de la table. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? On est allé les voir, discuter avec eux autres. Ça coûte des peanuts louer ça. Fait que si tu pars un podcast, c'est 12$ pour une journée. Mais sur un mois, c'est 50$. Fait que tu peux faire un podcast. Pendant un mois de temps, tu te loues ça, 50$ avec un petit pied comme ça. Tu t'en loues deux, 100$. Tu peux faire 12 épisodes si tu veux. Tu peux monter une saison de podcast. Fait que, encore une fois, merci Long & McQuaid d'être avec nous autres. Puis allez les voir, le meilleur magasin en musique. Ouais, tout court. Tout court. Fait que, ben, là-dessus, on se laisse avec l'épisode sur les NFT et la crypto. Bon podcast. Fait que ça rec, puis ouais, ça rec déjà. Justement, vous êtes rendu aussi avec un podcast. C'est nouveau. On a filmé nos trois premiers épisodes. La première vient de sortir. On est un petit peu chambranlant dans l'épisode, mais ouais. Écoute, ouais, non, mais ça a bien sorti. Ça a bien sorti quand même. Non, c'était une belle expérience. Au début, on n'était pas trop sûr. C'est la première fois que moi, je faisais ça. Christo aussi. C'était comme on rentrait là pas super confiants, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était quand même bon. Mais c'était le fun pour eux. Pourquoi vous êtes allé genre vers le podcast pour communiquer ce message-là? Ben en fait, c'est parce qu'on savait qu'il y a pas tant de monde qui était au courant de ça, puis on trouvait que le podcast de la crypto, puis ça, de ce qu'on parle dans le podcast, des NFT, puis tout ça, puis on trouvait que le space au Québec, ben le monde, ils connaissent pas vraiment le space, puis ceux qui le connaissent, ben ils connaissent juste vraiment la surface, puis ils se font des idées par rapport à ce qu'ils ont entendu de tel ami ou de tel ami, puis c'est pas super clair. Fait que nous, notre but avec ça, c'était vraiment de mettre que l'idée soit claire pour tout le monde au Québec, puis vraiment introduire le monde au space avec les vrais concepts et les vraies choses. Qu'est-ce que tu veux dire par le space? Le space de la crypto puis des NFT. Dans le fond, tout le monde du Web 3. Ouais, okay. Puis c'est ça que je réfère quand je parle du space. Le Web 3.0. Exact. Ouais, c'est ça, parce que dans votre définition d'entreprise, c'est comme pour le Web 3.0. Exact. Si, mettons, on vous demande de décrire le Web 3.0, ça passe par quoi? Ça doit être les deux génies-là qui ont... Non, mais pour real, dans le fond, le Web 3.0, c'est genre tout l'univers web décentralisé. Fait que c'est plus un univers qui a été conçu pour le peuple, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est des projets, des gens normaux, mettons comme des NFT ou de la crypto, tu sais, c'est pas des institutions qui ont parti ça. C'est vraiment des gens qui ont été là-dessus, puis il y a pas de contrôle, mettons, du gouvernement ou genre des instituts pour ce type de travail-là. Fait que si, admettons, on décide de faire, admettons, nous, on travaille sur un projet aussi low-key, mais genre, on n'en parlera pas trop. Mais, tu sais, il y a certaines choses qu'on fait en ce moment que si, admettons, on le faisait avec la banque, mais les frais seraient énormes, man, ça prendrait des millions de dollars pour faire ça. Mais nous, on est capable de le faire pour nous, pour des 6 chiffres, tu sais. Fait que c'est quelque chose qu'on est capable. Le Web3, dans le fond, c'est juste quelque chose qu'on est capable de faire sans trop d'institutions. Genre, build quelque chose pour le peuple, genre, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait le contrôle dessus. Ça l'élimine un third party, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, ben, c'est ça. T'sais, vous passez à travers, ben, évidemment, l'Internet, puis tout. C'est cette belle révolution. Mais là, j'ai 1 million de questions. Ouais. Ah, mais commençons par la base un peu. Là, dans le fond, tu sais, peut-être de savoir. On a qui, man, ouais, c'est ça. On a Rick, mais je suis on t'a contacté, genre, la semaine passée, quelques jours, dans le fond, là, tu sais. On savait t'étais qui à cause de Audrey. Mais tu sais, je sais pas, on peut commencer. Qui veut se présenter, savoir qu'est-ce que vous faites, un peu votre background, qu'est-ce que vous amenez à être entrepreneur, tu sais? Ben moi, basically, je m'appelle Félix. Enchanté, Félix. Bonjour, Félix. Mais moi, basically, j'ai un bac en finance, je viens de terminer en décembre. J'ai fait aussi mon bac au HEC, fait que j'ai fait en moitié en finance, moitié en développement durable, en fait. Puis j'ai aussi, je viens de faire mon examen du CFA niveau 1, qui est un titre traditionnel en finance, comme que tu peux aller chercher. Puis sinon, en termes d'entrepreneuriat, ben moi, ben j'ai commencé, ma première job, ça a été chez Vidéotron. Je vendais des sels puis des affaires.
Puis là, je me suis rendu compte que genre ça me faisait fucking chier d'être juste là dans un magasin puis d'attendre. Tu sais, t'es quand même payé à la commission sur les ventes que tu fais. Fait que ça, ouais. Je trouvais ça nice parce que je pouvais drive mon cash moi-même. Ouais. Mais j'étais là puis j'attendais que les clients viennent à moi. Puis ça, c'était une affaire qui me faisait vraiment chier parce que s'il n'y a pas de clients dans le magasin, ben j'attends là tu sur mon bureau cash, puis ouais. Je fais fuck all de ma journée. Hein, fait que moi, ça me faisait chier. Fait que là, j'ai décidé de me partir en affaires. Puis là, ce que j'ai fait, je me suis parti une compagnie de paysagement à partir de là avec un de mes amis que son père a déjà. Une coupe de business dans le niveau de la construction puis tout ça, puis des parcs immobiliers. Donc, on est parti de ça, puis après ça, on s'est monté une grosse base de clients à partir de ça. Puis on a commencé à faire de la tonte puis de la tourbe. Puis maintenant, ben on fait pas mal de la pose de tourbe puis tout ça, puis je sous-traite pour plusieurs gros paysagistes dans le fond, puis nous, on fait tout ce qui est de la pose de tourbe. Fait que je me suis parti une grosse compagnie avec ça. Sinon, dans l'autre monde d'entrepreneuriat, je revendais des shoes à un certain point. Fait que j'avais des sneakerhead, j'avais des bottes, puis je renais des bottes à longueur de journée, puis je faisais des drops de shoes pendant le COVID, entre autres, qui était tout lockdown chez nous. Ouais, j'ai décidé qu'il me fallait une autre source d'income pendant que j'étudiais puis j'étais à l'école. Fait que j'étais devant mon ordi. Fait que je me suis dit, je vais pas perdre mon temps. En même temps, je vais faire les deux. Fait que je bottais les choses sur mon ordi. Je faisais l'école en même temps. Puis là, en sortant de là, j'ai commencé à super m'intéresser à la crypto. En fait, à la fin de notre saison, là, je savais que j'aurais pas de job pour l'hiver dernier. Mmh. Puis là, je me suis dit, il me faut une autre source d'income. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, la crypto, ça m'intéressait beaucoup. Puis j'ai commencé à investir dans Ethereum au début de l'été passé, donc en mai 2021. Quand il valait 6000 pièces. Ouais, c'est ça. J'ai investi, je te jure, j'ai acheté mon premier bail d'Ethereum, là, c'était le top d'hackers. Là. Tout l'été, j'étais genre à moins 60% parce que j'avais pas regardé mes affaires, justement. Je me suis juste dit, OK, Ethereum, ça va être bon long terme, puis j'ai acheté le top. Là. Fait que j'ai mis genre, je te dirais, j'ai mis genre 10 000 piastres dedans, puis tout l'été, genre, j'avais comme 4 000 dans mon compte. Là. J'étais comme, esti, qu'est-ce que je viens de faire? long terme. Ouais, c'est ça, long terme. Puis là, je voyais tout le monde, tu sais, des influenceurs sur Twitter, sur YouTube, qui faisaient plein d'argent avec la crypto. Puis là, j'étais comme, pourquoi moi, je serais pas capable de faire ça? Je vais être devant mon ordi anyway pendant l'hiver, qu'est-ce que je vais avoir d'autre à faire? Fait que je me suis mis à vraiment faire de la recherche là-dessus. Puis au début, je faisais juste trader de la crypto. Puis avec mon bac en finance, puis ça, j'ai quand même un certain niveau de concept en analyse technique puis tout ça pour faire du day trading. Fait qu'au début, je faisais du day trading avec la crypto puis du leverage. Puis après ça, j'ai commencé à regarder genre dans mon groupe, en fait, dans mon cook group de sneakers, okay? Fait que ceux qui donnent toute l'information pour tes choses puis c'est quand les drops, quel magasin, quel SKU tu vas mettre dans ton bot. Ils ont créé une page juste pour les NFT, un groupe Discord. Fait que là, je me suis mis là-dedans puis là, je voyais du monde qui sortait des esti de bags, man, de cash qu'ils faisaient en flippant des NFT. J'étais comme, what the fuck, moi avec, je veux faire ça. Fuck la crypto. Fait que là, tranquillement, je manageais comme un portefeuille de crypto comme sur le moyen terme. Puis en même temps, j'ai commencé à flipper des NFT. Puis j'ai commencé à faire pas mal plus de cash avec les NFT que ce que je voulais avec les crypto. Fait que là, je me suis mis après ça full-time dans les NFT. Fait que ça a vraiment été comment je suis entré dans le space. Puis là, ça fait maintenant depuis... Je te dirais, j'ai commencé les NFT en septembre. Ouais. Nice. Mais dans le monde des NFT, là, vous allez voir, ça va super vite. Fait comme une semaine dans le monde des NFT... Là, je te dirais, c'est comme un mois dans la vraie vie. Ça avance c'est pas plus. Là. Ça avance vraiment vite. La technologie, les différents projets, les différentes méthodes, les protocoles que les compagnies utilisent, ça va vraiment vite. Moi, ça m'intéresse de savoir ça parce qu'on dirait que les NFT, tu sais, j'ai de la crypto, mais les NFT, on dirait que moi, c'est. Ah, man. Je vois juste le metaverse, on dirait en lien. En tout cas, vous avez la chance d'en parler. Étape par étape. Dans Inception, il y a trois layers. C'est un bon background quand même. Là, on voit que. On va back en finance, ça, c'est sûr qu'on voit que genre le cash ça t'intéresse. Yeah. On a vu genre les étapes de l'entrepreneur. Là, c'est ça. Yeah, c'est nice, man. C'est nice. Alright. Puis là avant, là, j'ai mis une question. On va y aller encore en ordre pour les présentations. Jimmy, comment t'es rentré là-dedans, toi? Moi, en vrai, man, dans le fond, mon petit background en entrepreneuriat, j'en ai pas tant que ça, je te dirais. J'ai commencé quand même assez jeune, j'ai travaillé à Hydro. Depuis, ça fait maintenant 8 ans que je suis à Hydro-Québec. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu me partir de quoi. J'ai jamais eu les gosses de le faire tout. Plus jeune, après ça, on s'était parti d'une compagnie de skate. Ça a été mon premier vraiment background dans l'entrepreneuriat. Que moi puis un de mes potes, on s'était parti d'une petite compagnie qui s'appelait Refine Skateboard Supplies. Puis on vendait des skates, du linge un peu partout au Québec. Je me suis rendu compte assez vite que le monde du skate, c'est assez pauvre, tu sais. C'est sûr que ça riche. Ben, dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, le skate est quand même une grosse industrie, là, versus. Mais c'est dur de se mettre riche là-dessus, tu sais. Ouais. Mettons, surtout au Québec. En ayant une compagnie de skate puis de linge, c'est dur de percer, tu sais. Ouais, mais c'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, Dime, c'est vraiment une compagnie. C'est genre, tu sais, ils ont des skateurs de malade aussi. Ouais. Tu sais, ils ont vraiment. Ils ont une belle recette aussi. Tu sais, les événements qu'ils font aussi, c'est. Ils ont Dime, vraiment c'est percé. C'est pas un overnight success, mon gars, c'est des années de Ouais, c'est ça, exact. Là, ouais. Mais nous autres, on a eu ça pendant 3-4 ans. Puis, tu sais, pour vrai, c'était le fun. Puis j'ai aimé l'expérience que ça m'a apporté. Sauf que, éventuellement, tu sais, aussi avec mon travail, j'avais pas full le temps de m'investir là-dedans. Fait que j'avais comme revendu mes parts à mon chum, que lui, il a continué un petit peu. Ça a été pas mal ma première approche en entrepreneuriat.
Après ça, tu sais, je me suis vraiment concentré sur ma carrière à Hydro-Québec. Après ça, je suis devenu formateur. Que là, présentement, je donne des cours et tout. Puis ça m'a comme laissé plus le temps aussi de travailler sur mes projets personnels. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu... on dirait, tu sais, je voulais avoir de quoi d'autre que, tu sais, juste ma job en ce moment, tu sais, j'ai plus d'overtime tout, que je faisais juste mes heures normales. J'étais là, Chris, je veux me trouver de quoi d'autre pour pouvoir, tu sais, avoir un autre income resource. Fait que finalement, je me suis mis à checker c'était quoi les NFT et tout, tu sais, j'avais entendu parler de ça une fois puis ou deux. Là, j'ai comme... Tu sais, c'est quoi? Je veux pas manquer le bateau, genre, comme les bitcoins dans le temps, ouais. Que je suis comme, tabarnak, que j'avais checké, j'aurais peut-être pu faire du cash avec ça. Fait que là, je me suis mis à checker ça. Puis de fil en aiguille, dans le fond, Rob, qui a fait OD cette année, on s'est croisé une couple de fois, on est devenu chum un peu, puis et on s'est appelé parce qu'on allait au Costa Rica en même temps. Fait que là, on s'est croisé là-bas, puis c'est là que j'ai connu Christo. Puis en rencontrant Christo, on s'est mis à parler d'un NFT un peu chaud, tu sais, sur la plage le soir, puis sur les bateaux. Un petit puis... Puis là, je posais plein de questions, je disais, ah, c'est quoi, comment ça marche, puis là, puis là, il me disait, tu sais, mec, tu reviens au Québec, on s'arrangera un petit meet, puis tout ensemble, puis on checkera ça, voir si ça t'intéresse, puis tu sais, voir ce que ça pourrait nous mener. Quand on est revenu au Québec, justement, il est venu chez nous une fin de semaine, puis on s'est mis à parler de projet, parce que, tu sais, j'ai quand même des idées assez créatives, tout, puis tu sais, je me disais, je vais essayer de faire de quoi là-dedans, puis tu sais, de créer ma propre collection toute, que, tu sais, là, on développe, tu sais, des idées là-dedans, puis on, tu sais, on a quand même des projets assez pétés, que c'est pour ça un peu qu'on s'est comme mis ensemble là-dessus, puis éventuellement, de fil en aiguille, c'est ça, on veut pas trop en dire, mais tu sais, éventuellement, il va y avoir des choses qui vont sortir par rapport à ça, puis c'est un peu pour ça aussi que je me suis comme affilié avec les boys pour faire, tu sais, pour être dans le nouvel air aussi, t'sais, moi, j'ai pas de bac en finance, rien là-dedans, mais je suis plus justement la face en arrière de Instagram et tout. J'aime ça pouvoir amener le monde là-dedans. Puis c'est un peu pour ça que je voulais cultiver aussi ma page IG avec le podcast et tout, pour pouvoir les préparer à ce qui va s'en venir éventuellement. Là. Okay, parce que nouvelle ère, c'est cryptocurrency, c'est NFT, mais c'est gestion web aussi, de la façon que vous le sortez. Fait que, dans le fond, on supporte des projets d'ici principalement. Fait que notre but, ce qu'on s'est dit en fait, là, c'est vraiment pas con. Là. Genre, tout le monde aurait pu avoir cette réflexion-là. C'est on est dans un moment où est-ce que dans le monde, il y a genre 2 millions de wallets qui achètent des NFT, puis il y a 2% de la population qui achète de la crypto. Fait que si tu pognes à peu près le ratio, ben on en revient 8 ans en arrière quand le Bitcoin ne valait pas trop cher. Fait que tu sais, on est vraiment early en ce moment dans le processus. Puis il y a tellement de gens en ce moment, c'est déplorable, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui sortent des collections, puis ça s'appelle, on appelle ça des rug pull. Fait que c'est du monde genre qui font une collection, qui vendent du rêve à côté, puis le monde, ils vont acheter ça. Puis dans le fond, c'est pas fondé du tout. Ils prennent l'argent, ils crissent leur camp, le monde, ils ont tout perdu ce qu'ils ont investi dans le fond. Puis on trouvait ça tellement en poche parce que souvent, c'est de la belle or. Le monde, ils prennent le temps, puis on s'est dit, si on essaye de faire une entreprise, dans le fond, puis on donne nos connaissances à nous, aux entrepreneurs qui veulent se lancer, puis qu'on les aide à faire de la structure en offrant de la consultation. Ben, on a plus de chances de faire blow up le space du Québec genre avec un impact positif que juste en ce moment ce qui se passe. Moi au Québec là, j'achète plus un projet qui sort d'ici depuis genre ça fait longtemps là. Je les regarde passer puis je touche pas avec un bâton parce que le monde ils veulent juste faire de l'argent, ils sont pas patients. Fait que c'était un peu ça notre thinking derrière Nouvelle Heure. Puis, c'est quoi ton background? Ouais, c'est ça. En suivant. Ouais. Fait que, enchanté, Christo. Enchanté, bienvenue. Fait que merci de nous avoir invités, premièrement. Ouais, un grand plaisir. Fait que, dans le fond, moi, mon background, j'ai étudié en comptabilité. J'ai travaillé dans le monde aérospatial pendant genre une année au complet. Puis j'ai quand même eu la chance de voyager pas mal dans ce domaine-là. Fait que, puis j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Aérospatial, excuse-moi, mais ouais. Bombardier. Ok, ouais. Ouais, dans le fond, fait que les avions. Ouais, c'est un voyage d'affaires là, quand tu l'as rencontré. Ouais, c'est ça. Ah, le bouche crew, ça passe en dépense. Ce n'était que de la business, je vous confirme. Puis, ouais, ben dans le fond, c'est ça. Je travaillais dans ce domaine-là pendant un an. Puis, tu sais, Bombardier, Aerospace au Québec, on est un des pôles d'aérospatial dans le monde en entier. On est reconnu, dans le fond, pour ce qu'on fait. Moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé, ce domaine-là. Puis, c'était quand même up and down. Tu sais, il y avait tout le temps du monde qui faisait slacker. T'es pas tant sûr de c'est quoi ton avenir dans le fond. Ouais. Puis moi je travaillais dans un bureau, tu sais, fait que j'étais pas protégé par aucun syndicat, fait que je commençais à être un peu stressé, puis j'ai eu une opportunité d'aller travailler en Europe dans le fond dans le monde du gambling. OK. Ah ouais. Puis dans le fond, j'ai fait une grosse partie de mon expérience là-bas. Je faisais de la location de machines, la gestion de casino dans le fond, je me promenais pas mal, je travaillais en Croatie, je travaillais en Afrique, genre au Kenya, à Madagascar, au Uganda, Zanzibar. Je me suis pas mal promené, puis en revenant ici, j'étais un peu perdu parce que j'ai passé comme une bonne partie de ma mi-vingtaine, dans le fond, de ma jeune vingtaine, en fait, ailleurs.
Puis là, je pensais tout le temps, genre, qu'est-ce que je manque ici, tu sais, qu'est-ce que je manque, genre, je m'ennuyais de mes amis, je m'ennuyais de ma famille, genre, j'avais hâte de revenir. Puis je suis revenu, puis j'ai juste fait, genre, shit, je suis pas plus avancé live, là. Fait que là, j'étais tanné de la comptabilité. L'entrepreneur, ça m'a tout le temps, genre, vraiment, vraiment excité, tu sais, je suis un entrepreneur dans l'âme, ma famille, c'est tous des entrepreneurs. Puis j'ai commencé à travailler comme représentant technique, en fait, parce que c'est la partie qui me manquait peut-être, le côté vente. Fait que j'ai été genre chez Bell faire du porte-à-porte pour du commercial, même me faire dire non genre 70 000 fois en face. On veut pas voir Bell ici, t'es cette bande de crosseurs. Genre, pis ça a été une de mes sérieusement, genre à tout le monde qui voudrait genre commencer dans la représentation, genre Bell, il donne quand même des bons avantages, des bons bonus quand tu fais des ventes. Puis t'apprends la chose la plus dure à apprendre dans la vie. T'apprends à te faire dire non, puis genre comment gérer le refus après ça. Puis il y a des fois, genre, mettons, tu te fais dire non une fois, tu y retournes genre 3 semaines plus tard, tu reconnes, le gars il dit non, tu y retournes un autre 3 semaines plus tard, il dit genre, t'es bien fatiguant, Asti. Comme moi, je suis fatiguant, mais genre, j'ai quelque chose pour toi, genre, prends 2 secondes pour m'écouter. Genre, ça va prendre 2 secondes, puis si t'aimes pas ce que je te dis aujourd'hui, mais tu prends le temps de m'écouter, je m'en vais. Genre, c'est tout. Puis. Ça marchait? Ça marche des fois, c'est des fois. Tu peux rien faire, tu sais, si le monde non, mais... c'est ça. Hey! Bell n'est pas parfait comme produit, tu sais, c'était quand non, même non, vraiment, non, non, mais still, genre, ça m'a vraiment inculqué, genre, l'esprit de grind. Ah ouais, oui, c'est pour ça. Genre, tu sais, tu t'en vas cogner à des portes, il pleut, man, il fait pas beau, genre, tu t'en vas cogner, t'es genre, yo, ça me tente même pas de sortir de mon char, ce serait tellement facile, je vais rester dans mon char avec mon petit iPad, dire que je l'ai fait, là, puis partir. Ouais. Mais non, je voulais faire du cash, puis je voulais me faire dire non, man, je voulais me faire challenger par le client avant de moi qui me pose des questions, puis qui me dit, genre, arc, man, ça me tente pas de travailler avec toi, d'écrire, genre, comme je voulais pouvoir vivre ça. Puis mon expérience a tellement été comme bénéfique qu'après ça, j'étais allé travailler comme représentant technique dans une entreprise de santé sécurité. Puis j'ai tout explosé, sincèrement. On a genre triplé le chiffre d'affaires. Genre, puis j'étais le seul représentant pendant un méchant bout. Puis éventuellement, je commençais à voir que comme crime, je l'ai l'affaire. Je suis quand même un excellent vendeur, mettons, où je suis quand même capable d'atteindre mes objectifs. Fait que genre, je dois faire quelque chose de bien. Fait que je me suis parti à mon compte après ça. Fait que j'ai une entreprise de distribution de produits de santé sécurité. Puis d'installation, genre commerciale, industrielle, puis résidentielle. Puis aujourd'hui, je fais ça, plus Nouvelle Ère maintenant, qui est notre nouveau bébé, en fait, là. Puis on travaille bien fort là-dessus. Ah, mais ce que je retiens, moi, c'est que vous avez carrément, genre, vos forces, chacun. Mmh. 100%. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte, parce que vous êtes 4 dans l'entreprise, sensiblement à part égale, ou? Écoute, ben, c'est pas de mes enfants non plus. Je veux dire, on est pas obligé d'embarquer là-dedans, mais tu sais, au moins, vous êtes genre 4 forces différentes travaillées dans le même. Il y a des deals en place. Ouais. On est, tu sais, c'est vraiment nouveau. Là, l'entreprise est enregistrée depuis genre lundi dernier. Là, fait que là, c'est dans le lundi fresh. Dernier, ça se peut que ça sorte pas tout de suite, mais c'est fresh, fresh, fresh. Puis en ce moment, les gens qui sont le plus investis financièrement, ben, c'est moi puis Félix, puis on a un autre partenaire ensemble. Mais le projet, puis on a déjà tout discuté ensemble, c'est pour ça que genre c'est pas gênant comme conversation. Ouais, le projet, c'est d'attendre que justement Jamie puisse embarquer avec ses parts, puis genre nous accompagner là-dedans, puis juste qu'on build tout ensemble. Mais tu sais, c'est un petit peu dur, tu sais, quand tu mets une coupe de mille dans le fond dans un projet, de dire hey, rentrez, ben oui, il n'y a pas de stress, viens, on va te donner une place. C'est sûr que non. Ouais, c'est plus compliqué. Ok, fait que là. Ouais, c'est ça. Parce que là, ben, vous avez tous des backgrounds fucking sick. Puis c'est ça, c'est complémentaire. Puis en plus, vous êtes jeune. En fait, tout le monde est jeune autour de la table. non, mais pour vrai, mais c'est un space qui nous autres aussi nous intéresse. Là, pour vrai, moi et Frank, le nombre de conversations qu'on a eu en finissant de travailler sur le Bitcoin depuis que. Quoi, ça fait 2 ans qu'on est au bureau à peu près. Ça fait 2 ans qu'on est ici, ouais. Puis là, tu viens d'en acheter, ça fait pas tant longtemps que t'es rentré là-dedans. Moi, j'en jase tout le temps, puis j'ai pas mis d'argent là-dedans encore. Ça s'en vient, j'ai l'air de tout connaître, Esti, mais je le sais pas. Mais en tout cas, j'ai des amis qui investissent beaucoup là-dedans, puis je m'intéresse à ça, puis on dirait que j'attends comme un down pour acheter, puis est-ce que je suis pas. Il était là, Il est pas encore là, je te dis. Il est pas trop tard, là. Ah, ça, on va en reparler, c'est tout. Hein. Mais, tu sais, j'imagine que là, si les gens sont ici à ce moment-ci dans le podcast, ils ont un peu compris c'est quoi la crypto, puis tout, on peut peut-être expliquer tranquillement des trucs, vous pouvez faire des parenthèses si vous voulez. Mais à la base, mettons un truc que nous autres, on se demandait, là, parce que, tu sais, tout ce qui est crypto décentralisé, dans le fond, c'est de pas faire confiance aux third party, c'est les banques. C'est un peu tout ce monde-là, puis on brainstormait un peu, on était comme, dans le fond, est-ce que vous croyez que l'Internet va être plus fort que les banques sur le long terme? Par la raison où est-ce qu'on s'en vient avec cette question-là, c'est parce que, en fait, toi, tu t'ostinais avec ta soeur en fin de semaine. En fait, ça vient de passer avec mes parents. Je suis le seul dans la famille qui comme croit en crypto, qui a acheté de la crypto,
Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est de voir le lien entre. Tu sais, à un moment donné, les banques, qui, ben, déjà là, ils doivent commencer à se réveiller, là, que ça prend de la place. Tu disais que c'est seulement 2% par contre de. De la population, oui. Qui achète. C'est pas beaucoup c'est pas quand beaucoup, même. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça met du poids sur les banques? Est-ce que là, les banques présentement doivent être en train de se dire comme. Hey, faut trouver une façon de gérer cet argent-là. Il y a de l'argent à faire avec cet argent-là, 100%. J'imagine, tout ça. Fait que. Mais ils n'auront pas le contrôle. Fait que tu sais, comment. Oui. Ils peuvent toujours contrôler. À la fin de la journée, il y a un effet de levier. Là. C'est un marché boursier comme un autre. Ouais, puis les plus grosses institutions en ce moment, genre, ils achètent du Bitcoin en tabarouette, ils achètent l'Ethereum, ils achètent les plus gros coins. Fait que tu sais, ils ont quand même un certain leverage. S'ils veulent que ça crash pour en acheter d'autres, ils ont juste à vendre la moitié de leur bague, faire un peu de perte là, acheter quand c'est fucking bas, ça va remonter. T'sais, c'est un loop. Là. C'est un loop à la fin de la journée. Fait que c'est pas non plus genre anti-institutionnel. Mm-hmm. Mais par contre, les bons projets puis les bons trucs, quand ils commencent, si on veut, ben c'est vraiment contrôlé par le monde. C'est jusqu'à temps que les grosses institutions ils rentrent là-dedans, genre comme tout, ben. Ouais, mais tu sais, mettons, on revient là, dans le temps, là, j'écoutais justement, c'était pas un podcast, un gars qui parlait de la crypto, puis tu sais, veux pas, l'argent à la base a été créé en lien avec l'or, puis tu sais, elle avait une valeur avec l'or. Tandis que là, la valeur du Bitcoin, c'est qu'il y en a quoi, 21 millions qui vont être créés d'ici 2040, si je ne me trompe pas, à peu près. À peu près, ouais. Mais tu sais, ça va créer une denrée qui va être rare à un moment donné parce qu'elle va tout être exploitée. C'est ça, tu ne peux plus la réimprimer comme de l'argent. C'est ça qui fait en sorte c'est ça, que tandis c'est que les banques, eux autres, ils voyaient l'or, les capacités d'en produire de l'or, ils n'avaient plus, mais eux autres, ça l'imprimait du papier quand même. C'est ça. Ouais. Mais c'est encore subdivisible à l'infini, par contre, le Bitcoin. Si je me trompe pas. Satoshi a comme prévu un truc dans son algorithme pour être capable de le diviser jusqu'à. Comme il y avait une limite de division, mais il est supposé avoir un autre palier de division aussi. Ben moi, c'est ça. Non, mais il y a un halving qui veut dire que, mettons, tu sais, à chaque année, il y a un release. Certaines personnes qui peuvent être. Il y a un certain montant de Bitcoin qui peut être miné par année. Puis à chaque, je pense, c'est à chaque 4 ans ou à chaque 2 ans, je me souviens plus exactement, il y a un halving. Ce que ça veut dire, c'est que le rate. Auquel le taux auquel les bitcoins sont minés, il se fait diminuer de moitié à chaque année. C'est pour ça que la production de bitcoin a diminué de moitié à chaque année, puis c'est pour ça que c'est une courbe genre logarithmique, si tu veux. Okay. De façon à ce que le supply, il va tout le temps augmenter, mais de façon genre en pente de décroissance, si tu veux. Ok. Fait que, ouais, là, c'était ça revient. Oh, t'as changé d'outfit. Mais chaud, là, assis dans le studio, il fait chaud quand même, les lumières, là. J'étais pas prêt à Mais ouais, ok, fait que dans le fond, c'est ça. Parce que, tu sais, là. Mais en fait, moi, ce qui me gosse, la bête qui me gosse, c'est est-ce que, mettons, là, quand vous voulez cash out, vous voulez profiter de votre argent que vous avez fait avec la crypto, puis tout, ouais. OK? Mettons, moi, c'est la partie que j'ai pas encore expérimentée parce que je regarde, j'étudie ces marchés-là, puis tu sais, en fait, j'étudie beaucoup les marchés aussi comme réguliers, si on veut, là, conjointement avec ceux de crypto. Je me suis pas encore aventuré là-dedans, mais mettons, là, vous avez fait un bon coup, tatata, puis vous voulez le cash out. Mettons, pour l'expliquer, le vulgariser, à quoi ça ressemble, ce processus-là? C'est pas si compliqué que ça, en vrai. C'est fait en une heure. Ben, ça dépend du montant. Ça dépend du montant, ouais. Si t'as des gros montants à 6 chiffres, ça peut être pas mal plus long qu'une heure, là. Ouais. Mais mettons des petits montants, là, tu t'envoies ça à une plateforme comme Binance ou ShakePay qui sont comme. ShakePay, c'est un peu plus petit, mais Binance, c'est un échange décentralisé, en fait. Ben, en fait, il est centralisé, Binance. Mais tu peux envoyer ton Ethereum, ton peu importe c'est quoi ta crypto, à Binance direct. Puis là-dessus, tu peux le switch en USD ou en canadien, peu importe. Puis tu renvoies ça à ta banque après ça, en wire transfer. C'est simple. ShakePay, tu te fais un transfert. Puis eux, ils prennent combien de pourcentage? Ce qui est moins cool, c'est l'imposition. Ouais, c'est ça. C'est là que tu viens de voir de fuck. Parce que là, c'est ça, les gouvernements, les institutions commencent à cope with that. Là, parce que ça fait pas tant longtemps qu'ils sont là, là. Puis là, je pense que c'est quoi? C'est 50% qui est imposable sur le revenu que vous sortez? En fait, ouais. sur tes gains. Toutes les gains 50%. Que tu fais. Fait que, mettons, si t'as fait un certain montant, puis tu veux sortir un montant, ben c'est comme un gain que t'as fait, puis tout ce qui est gain, c'est 50% imposable quand tu veux le sortir comme ça. Fait que, c'est un peu compliqué en ce moment, là. Genre, ça, on se le cachera pas, genre, parce qu'il faut que tu trouves le point d'entrée que t'as fait. Admettons, t'achètes 1000$ d'Ethereum, il faut que tu trouves ton point d'entrée, puis quand tu le cash out, ton profit, mais c'est le point de sortie. Fait que genre, faut que tu fasses comme un peu le ratio, dans le fond, de tes gains. Avec les NFT, ça devient super compliqué. Parce que, tu sais, il faut que tu calcules, mettons, si tu voudrais être vraiment, genre, légal avec les impôts et tout, il faudrait que tu calcules quand est-ce que tu as acheté ton Ethereum. Après ça, quand est-ce que tu as acheté ton NFT puis à quel prix. Là, quand tu as vendu ton NFT, l'Ethereum t'est rendu à quel prix, c'est quoi le profit que tu as fait sur le NFT. Puis quand tu cash out ton Ethereum pour le mettre en USD, c'est quoi la différence de prix si tu as fait un gain ou perte sur l'Ethereum aussi. C'est vraiment une chose à mesurer. Mais il existe, par exemple, j'ai vu, genre, je me suis vraiment pas informé, je peux pas vous donner de nom,
Mais j'ai vu qu'il y avait une app qui faisait les calculs, genre. Une plateforme. Ouais, une plateforme. Moi, c'est ça que j'allais dire, parce que, man, il me semble, on dirait, tout ce que tu viens de dire là, j'ai rien retenu, puis j'allais pas, tu sais, genre, je vais me faire pogner par l'impôt. Il doit avoir une app pour ça. C'est ça. Écrit, là, les boys, man. Mais tu sais, c'est ça qui arrive après ça. Vu que c'était tellement un nouveau domaine, il y a quelqu'un, designer web, qui peut dire, moi, je vais faire une app pour calculer ça, puis baf, lui, il fait du cash avec cette application-là. 100%. Fait qu'après ça, toute la sphère, oui, NFT, crypto, mais tout ce que ça va créer autour de ça, créer des apps, créer ici, créer ça, man, c'est une autre sphère, c'est d'autres métiers, c'est d'autres argent. Fait que c'est clairement comme un nouveau champ complètement. Là, qui arrivé, ouais. Tu vois, juste à date, comment ça a été fait, ces affaires-là, c'est que le monde, il vendait comme des... Les apps sont comme en bêta, si tu veux, parce que c'est comme ouais. les premiers utilisateurs en ce moment. Puis comment ils vendaient leur bêta pass, c'était basically, fait que tu achètes un de leurs NFT. Puis si tu hold un de leurs NFT, ben là, tu peux utiliser l'application. C'est de même qu'ils ont shapé leur business, puis ça marche super bien. C'est méga smart, là. Les NFT, les contrats d'NFT sont tellement béton, dans le fond, parce que genre, tu sais, t'as comme un numéro de série individuelle. Pas le choix, Gordy. Et voilà. On l'attendait, là. Fait que, tu sais, c'est tellement, genre, béton comme contrat que, tu sais, peut-être qu'un jour, même, les maisons vont se vendre en NFT, dans le fond, parce que les contrats sont super simples. Tu peux venir éliminer des besoins de third party, dans le fond, pour faire tes transactions, là. Genre, ben ouais. C'est... On vous en montrera un après un contrat, ça ressemble à quoi, vous allez comprendre. Parce que là, dans le fond, mais la crypto, c'est web, c'est virtuel, c'est pas tangible, mais on peut acheter, comme vous parliez dans votre podcast, qu'on va probablement mettre, on va mettre le lien, en description, c'est un bon podcast qui explique tout. Là. C'est tangible, tu peux acheter un auto, tu peux commencer tranquillement à faire des réelles transactions, tap card, tu peux commencer à payer. C'est pas super implanté, mais ça commence à l'être tranquillement. Avec des NFT, tu peux... pratiquement faire n'importe quoi, c'est juste c'est l'imagination que ça prend, tu sais, il y a tellement pas de monde qui sont encore là-dedans que tu sais les projets présentement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de choses mettons, il y a beaucoup de monde qui vont comme copier des gros projets qui ont marché puis tout, puis c'est pour ça qu'en ce moment les projets ça descend, mais ça prend juste de l'innovation un peu puis tu sais tu peux pratiquement faire n'importe quoi avec un NFT là. Mais là moi dans ma tête un NFT c'était genre une espèce de dessin même. C'est une image, ouais, c'est une image. Mais je comprends pas qu'après ça tu dises que tu peux acheter par exemple quoi que tu veux. Je te donne un exemple, mettons une compagnie comme je te dirais genre Balenciaga qui sort mettons une sacoche qui est vraiment rare. Qu'il va avoir juste 600 dessin, sacoches. Là, en NFT. Ben non, genre, mettons, Balenciaga, je te donne un exemple, c'est purement inventé, ouais. Là, mais, tu sais, mettons, ils ont une collection spéciale qui vont sortir 600 sacoches, que genre, tu sais, tout le monde veut se les arracher parce que, genre, tu sais, ouais. Ça va être la plus grosse affaire, mais tu sais qu'il y en a juste 600. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est, tu sais, on le sait qu'on a juste 600 sacoches qui vont se vendre, mettons, 5000 piastres à sacoche, mais on va faire un NFT. Puis avec ce NFT-là, si tu réussis à cop le NFT, ben tu vas avoir ta place VIP pour avoir, mettons, une de ces sacoches-là. Ben moi, OK, je fais mon NFT de, mettons, 600 NFT que je vends, genre, 5000 piastres. Fait que là, tu sais, toi, tu veux vraiment l'avoir, cette sacoche-là, ben tu vas te battre pour avoir ton NFT. Fait qu'avec ce token-là, ben là, tu sais que tu vas avoir ta place. Mettons, tu vas arriver, mettons, chez Balenciaga, OK, j'ai mon NFT, que j'ai payé 5000$. Ben là, ça me garantit une place pour avoir ma sacoche, que je repaye 5000$. Fait que tu sais, c'est con, mais ça peut être ça, là. Ouais, ça peut après, être n'importe quoi. Ton là. NFT. Ouais, c'est encore une valeur, genre, c'est un one of one à la fin de la journée. Ouais. C'est une pièce d'or, genre, c'est un truc one of one, exemple, dans cet exemple-là, de Balenciaga. Fait qu'il vaut encore quelque chose après. Fait qu'au pire des pires, dans le pire des cas, tu vas payer ta sacoche juste moins cher. Puis tu peux, c'est ça, exact. Puis comme là, mettons. Là, j'ai dit ça que, genre, techniquement, tu sais, son NFT, après ça, il vaut plus rien, c'est juste l'or. Mais après ça, tu peux rajouter le fait que, genre, t'as ce NFT-là, ben, tu sais, tu peux rajouter, ben, en ayant ça, si tu gardes ce NFT-là pour créer, justement, tu sais, un hype et tout, ben, tu peux faire, mettons, en magasin, ben, t'as, genre, 15% de rabais, mettons, avec ce NFT-là en tout temps. Genre, tu peux faire n'importe quoi, là. Tu peux mettre n'importe quel attachment à un NFT, là. Ben, au niveau marketing, donc, comme tu dis, je trouve ça bien utilisé, mais c'est quoi l'espèce de buzz autour d'un espèce de singe, là? Non mais... non, mais pour vrai, pourquoi payer pour un dessin? Genre, moi, c'est ben, ça que je ne comprends. Sweet. J'ai un de mes chums qui s'est mis dans les NFT récemment, Jim, qui arrête pas de m'en parler, puis tout ça, puis genre que je devrais investir. Puis il a fait un peu d'argent, il a fait une couple de mille avec ça, puis tout. Puis, mais Chris, il a acheté genre des statuettes, des mettons des hype aussi, des affaires comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi? Je sais que, tu sais, c'est une pièce. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas acheté un ape. C'est pas acheté un ape. Mais j'ai acheté des statuettes de genre, c'était des drops Star Wars puis des trucs dans ouais, que ça, Marvel ont fait. Je comprends que c'est des... statuettes, c'est 3PO, mais tu sais, encore là, virtuel, comme tu dis. Je comprends que c'est des affaires exclusives, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça va faire? Je repose la question. Mettons qu'on commence au début du NFT. C'est quoi le but d'un NFT? Je comprends d'où tu viens puis ton point de vue, mais je te repose la question. Pourquoi t'achèterais
une Rolex vis-à-vis une Timex? Ben parce que je l'ai ici. Là. Je comprends, mais... Je l'ai pas dans mon cellulaire ou genre... T'sais. Oui, mais on s'entend que même si t'as une Rolex ou une autre montre, hein, la plupart du monde vont regarder l'heure avec leur téléphone anyways. Ouais, c'est de la rareté aussi. C'est ouais. juste un truc pour te donner un certain statut social. Ouais. Puis c'est la valeur qui est apportée à Rolex, ben c'est la société, c'est nous qui l'a défini cette valeur-là, que cette marque-là, ils font une montre qui est plus sick que les autres, on est prêt à payer tant pour cette montre-là. Comme l'argent, en fait. C'est le même, ah, exact, c'est la même chose qui arrive avec les NFT. Ouais. Bored Apes, le monde, ils ont décidé que ce NFT-là, puis ce brand-là, ça valait tant, fait qu'ils sont prêts à payer tant pour l'avoir. Mais c'est un statut social. Tu peux pas le show-off, là, tu sais, comme, mettons, une carte de hockey. Tous les athlètes, man, maintenant, ils mettent dans leur petite photo sur Instagram, ouais, ouais. man, là, c'est ouais. tout ça, là, ça c'est ouais, mais je pourrais le faire, moi aussi, puis il serait pas à moi, nécessairement, mais je vais chercher l'image sur Internet. Mais le gars, par exemple, mais qui le vend 1.5, il va plus rire, tu sais. Genre, tout le monde, tu peux tout le temps copier l'image, ça se fait depuis ouais, tout le temps, ça. Là. Genre, du ouais. copyright, là, dans le monde de même, genre, tout le monde s'en fout un peu, parce que la vraie personne qui l'a derrière ça, si elle a payé 10 000, puis maintenant, il vaut 1.5 million, c'est elle la seule personne qui gagne, là. Non, ça, je sais, mais tu sais, mettons, si on dit que c'est pour le... Comme je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec un NFT, mettons, tu peux pas le show-off. Tu sais, je prends un exemple, une peinture. Là. Une peinture, tu l'as sur ton mur chez vous, là. Ouais. Tu sais, elle vaut 10 000, 100 000 $ ta peinture sur ton mur. Mais tu sais, tes amis qui viennent chez vous, ils voient ta peinture. Tandis que là, tu sais, moi, en tout cas, j'ai rien contre ça, tout ça, mais je trouve ça fucking. Ou n'importe quoi, tu sais, je peux aller voir ton wallet, tu sais, maintenant, je vais voir ton compte, tout, puis je peux voir ta collection, tu sais, un peu comme que je checkerais tes tableaux. Fait que, tu sais, maintenant, je vais voir dans ta collection, je peux voir tes NFT, je peux voir qu'est-ce que t'as en stock, puis là, tu vois vraiment le vrai propriétaire. Fait que, tu sais, si je vois, mettons, sur ton account, puis je vois que t'as un vrai boardé, tu sais, là, c'est là que tu vois ça, puis aussi, tu sais, on peut retracer, tu peux le mettre en photo de profil comme que je peux mettre n'importe quoi en photo de profil, là, tu sais, je pourrais mettre un board ape si je veux en photo de profil, mais c'est pas, tu sais, je suis pas propriétaire, puis ça, tu peux le voir via, tu sais, le blockchain, tu sais, toutes les transactions qui ont été faites, mais là, tu peux voir les vrais propriétaires, tu sais, si vraiment je veux aller voir si c'est toi le vrai, là, mais... Faut peut-être rapporter ça plus... Puis, tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on se sert... J'essaie juste de comprendre, là. Non, le buzz qui est autour de ça, tu sais. C'est... Aussi, mettons, là, t'achètes, mettons, là, tu dis, OK, j'achète un board ape, ben, tu viens que tu rentres dans un certain statut social aussi, avec tout le monde qui sont, tu sais, quand même gros influents, puis tout, tu viens que tu rentres dans cette communauté-là, puis, tu sais, genre, de pouvoir rentrer dans ce Discord-là, puis tout, pouvoir, tu sais, peut-être rentrer en contact avec tout le monde qui a ça, ben, tu sais, ça te crée quand même un réseau de contacts qui est assez fort, influent aussi. T'as des plugs pour faire pas mal tout dedans. Puis, si t'as un board ape, là, genre, t'es pas mal set, là, genre, tu dis, je suis un vendeur, tu vas avoir une job demain matin, là. T'sais, c'est du monde, c'est une communauté en fait. Fait que oui, tu payes, c'est un flex. Fait que c'est PFP en fait, là. C'est un profile picture, genre, que tu mets. C'est tout ce qui sort, il n'y a pas d'utilité derrière. Mais Bored Ape, je trouve que c'est un projet NFT, genre, qui est poche à parler. Parce qu'il est tellement gros, c'est tellement irréaliste. C'est un once in a lifetime. Genre, le monde qui ont réussi à avoir ça, sont fucking chanceux. Puis genre, les chances que ça se reproduise à ce niveau-là sont extrêmement faibles. Ouais. Mais la réalité de la chose, c'est que si tu veux te faire des fois 1.25 l'argent que tu as investi, des fois 2, quand tu es chanceux, des fois 3, des fois 4, genre, il y a plein de projets qui pop-off tout le temps, qui sont plus petits, qui ont vraiment des utilités derrière. Comme, admettons, tu peux acheter un projet qui s'appelle Ouga. Okay? Puis ça, j'en parle parce que Jamie en a acheté. Puis ça, c'est dans le fond, c'est comme un jeu qu'ils font dans on le Metaverse. On prend des notes, les boys. Ouais, 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 c'est pas le temps de l'acheter live, par exemple. Fait que, on vous en donnera d'autres après. Dans le fond, les Ouga, c'est comme un jeu okay, qu'ils vont faire dans le Metaverse. Puis c'est comme des gros robots. Okay? C'est des gros robots singes. Fait que là, je t'arrête. Mais ça a toujours un peu un lien avec le Metaverse. Ah, pas nécessairement. Pas nécessairement, non, c'est ça. Ça dépend mais du projet. Okay, mais on reviendra là-dessus. Okay, on en reviendra là-dessus, mais ouais. Ça dépend toujours du projet. Il y a du monde qui peuvent décider, genre, Oli Primo, bientôt, il va sortir sa collection. On ne sait pas quand, il n'a pas tant donné d'infos. Peut-être qu'il en a donné, puis je l'ai manqué. Il va sortir un projet où est-ce que tu vas genre avoir comme des listes, des accès plus rapides dans ses restos, dans ses festivals, whatever, comme un nombre de supply limité sur sa collection NFT, ça a donné des in real life attributes, genre des attributs dans la vraie vie, genre des vrais utilités. Un peu comme tu disais avec les sacs. Ouais. Un peu similaire à ça, tandis que, mettons, le Metaverse, by the way, le Metaverse existe, guys. Genre, tu peux aller live, tu peux aller sur ton ordi, tu peux aller sur Metaverse. Hein. C'est déjà live, Decentraland, tu peux te connecter en tant que guest, tu vas aller te promener. Tu vas marcher, tu vas entendre du monde parler, avoir des vraies conversations. Il y a du monde qui travaille là-dedans. Genre, Microsoft, ils ont investi genre 42 milliards de dollars pour tout mettre leur bureau en ligne dans le Metaverse, dans le futur. Comme, it's here, là. C'est live. Là. Genre, ça se passe. Pourquoi tu aurais un bureau si tu es capable d'avoir un contrôle complet
sur tout ton organigramme d'entreprise. Genre, les gérants des pits où tout le monde travaille, là, sont là, là. Ils checkent tout le monde qui sont au téléphone, for sure. Ils checkent que tout le monde travaille, puis tout. C'est la même affaire. Tu vas avoir un crash immobilier. Ça n'a aucun sens. Mais pour en revenir au jeu que tu parlais. Oogaverse, en fait, là, c'est un jeu, dans le fond, qui va dans Metaverse. Ça a genre des fights de gros robots. Fait que là, tu peux acheter genre des petits robots. Ça s'appelait vraiment des robots. C'est. Tu peux acheter des mechas. Ouais. Puis avec tes petits robots, tu fais monter le niveau de tes mechas. Puis il y a quelque chose qui s'appelle un staking protocol. Fait que ça, un staking protocol, c'est legit une possibilité de faire un revenu passif avec la collection. Fait que ce projet, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que tu fais staker soit juste des petits robots, faire un nombre d'argent. Puis avec cet argent-là, tu peux acheter d'autres petits robots. Ou si tu fais merge des petits robots en utilisant leur crypto. Fait qu'à la fin de la journée, il y a du monde qui a fait de l'argent en crise avec ça. Donc, c'est un real life attribute dans un sens, puis en même temps, c'est dans le metaverse parce que tu peux monétiser. Dans le fond, tu achètes ton petit robot, il te coûte, je sais pas, dans le temps. À Mané, il était haut, mais moi, quand je l'ai acheté, je sais pas, il était 350$, on va dire. J'en ai acheté 8. Ben, j'ai gardé mes 8 avec un méca, j'ai attendu. Mon but, c'était de faire monter son niveau, genre, puis de le mettre le plus haut niveau possible, puis d'en vendre deux, genre, tu sais, pour récupérer un peu de mon cash. Finalement, j'ai juste trop fait de cash quick, là. Genre, ça a pris comme 2 semaines. Puis j'ai fait genre x2 sur tout que j'ai acheté. J'ai décidé de tout vendre. Puis Philou, toi, t'en as encore, je pense. Moi, j'ai encore bien investi là-dedans. Puis moi, je fais encore un revenu passif chaque semaine. J'ai décidé de rester investi jusqu'à temps que le jeu y sorte. Parce qu'en ce moment, tous les robots puis tout ce que j'ai de staké, ça fait un revenu. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme moi qui font la même chose. Donc, la valeur de la crypto, il y en a de plus en plus qui est émis à chaque jour. Donc, la valeur, elle descend tranquillement. Mais je sais que cette crypto-là, ils vont avoir une grosse utilité dans la phase 2 et 3 du projet. Fait que j'ai décidé de juste hold mon bail puis continuer à stacker. Pour que quand la crypto va remonter, ben j'aurai un méga bag à sell rendu là-bas. Là. Mais tu sais, comment quoi, viens, mettons, à genre chercher ça, trouver ça, c'est quoi la prochaine, tu sais, au final, c'est... C'est, ouais, de c'est, la ça, recherche. Ah, c'est de la recherche, mais c'est Wag Me by dit... Nouvelle Heure. Je nous blogue un peu live, là, mais on a un groupe sur Discord où est-ce qu'on ne fait que donner des calls, que ce soit sur la crypto, les projets NFT à venir, des free whitelist spots, dans le fond, des listes d'attente gratuites pour avoir la chance d'acheter les NFT avant les autres, genre... C'est un groupe qui n'est que dédié à ça. Si tu veux faire aussi, mettons, des quick flips, genre, tu sais, un NFT que, genre, des fois, il nous fait des calls, OK, genre, achetez ça, puis revendez-le, genre, tu sais, assez rapidement, ou, tu sais, des petits calls de même, ou que ça soit des long-term holds comme ça, qui étaient les Oogaverse, qui étaient un long-term, que si vous vous investissez, ben, tu sais, c'est de le garder longtemps. Fait que, tu sais, on a vraiment plein de listes, puis tu fais juste lire. Il y a toutes des informations aussi, comment ça fonctionne, des tools. Les gars sont actifs au bout là-dessus aussi. Fait que, c'est vraiment Discord, c'est. Moi, j'ai connu Discord puis Twitter. À cause des NFT, tu sais. Moi, je suis mauvais de quoi. C'est tellement bon. C'est encore ça pour les gamers. Ouais. C'est comme une application de chat, tout. Où est-ce que, mettons, Antoine, des fois. C'est ça qu'on utilisait, genre, nos cellules. Ouais, quand on fait des lives, mettons, quand on fait des ouais, live, okay, des spectacles, des fois, puis, on se met des AirPods, puis après, d'avoir des clear-com, comme on se parle dans Discord. Mais pour vrai, c'est tellement pratique, Discord, je trouve. Tu sais, mettons, même pour d'autres projets, j'ai des amis avec qui je suis en ligne, puis c'est tellement, genre, friendly user que tu peux te faire des meets, webcam, tu peux partager tes écrans vraiment facilement, tu peux créer tes conversations. Ouais, c'est vraiment une grosse découverte pour moi. Puis... Pas de limite de temps comme genre Zoom. Ouais, Discord, ouais. Zoom. Ouais. Ouais, Zoom, ça gosse. T'es au milieu d'un business meeting, genre. Là, t'es comme. Là, ça pop off, il te reste 10 minutes. Ouais. T'es à moitié de ta présentation, t'es genre. Fuck. Va tellement avoir de la BS dans 10 minutes. Hey, je vous rappelle, OK? On finit ça par téléphone, les boys. Hey, moi, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais le nom Hugo. Ouais. Oogaverse. T'as parlé genre d'un lien avec la crypto. C'est quoi le lien du NFT puis la crypto dans le fond? Chacun des un jeu de même a sa propre crypto. Mais c'est le staking protocol qui te parlait là. Ouais. Mais ils en ont pas toutes. Mais ça peut être une utilité que les collections mettent en place, qu'ils créent leur propre crypto, puis que en tout. C'est des tokens dans le jeu dans le fond. Okay, c'est ça. Ben, tu peux le revendre après ça pour de l'Ethereum si tu veux. Tu peux le swap pour de l'Ethereum. Okay. Philou, explique donc c'est quoi des utilités, man? Parce que là, ça fait genre 5-6 fois qu'on a. Vas-y. Je suis d'accord parce que mettons qu'on part un peu de la base là, du fait que je me suis pogné avec mes parents en fin de temps. Tu sais que genre d'expliquer un peu. Explique-toi à ma mère. Regarde la caméra principale là. Non, mais pour vrai, juste d'expliquer un peu parce que c'est sûr qu'il va y avoir énormément de monde qui vont écouter le podcast qui en reconnaissent. Fuck all à la crypto puis au NFT. Ouais. Fait que tu sais, genre, c'est quoi les livres là, for dummy, là, tu sais? Fait que crypto for dummy ou quelque chose NFT comme ça. NFT 101. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, je vous invite tout le monde à aller suivre leur plateforme. Vous voulez en apprendre, allez suivre votre podcast Nouvelle Heure, puis on les nommera tout à la fin, puis on va les mettre en description, allez-y. Mais
right now, tu sais. Ouais. C'est quoi à la base? Une utilité, en vrai, tu sais, il y a des NFT, là, tantôt on parlait des Bored Apes, que eux, leur utilité, essentiellement, c'est juste une image, puis leur utilité, c'est la communauté. Parce que tu as accès à un gros réseau de personnes, puis tu mais si on parle vraiment de la base, les NFT, ça a été créé pour l'or, l'or digital. Tu sais, du monde qui était capable de faire des portraits qu'un tableau, mais qui bouge en même temps avec des logiciels, puis tout ça, ils essayaient de pousser l'or à un autre niveau. Puis là, le monde, ils ont pris ce concept-là, puis ils ont été complètement ailleurs avec. Tu sais, juste avec la crypto, avant de passer au NFT, il y a des processus qu'on appelle du DeFi, qui c'est essentiellement du Decentralized Financing Program, genre. Puis c'est comme la finance, mais mis dans un monde décentralisé. Fait qu'il y a plein de processus. Tu sais, la banque, mettons, je te donne un exemple. Tu places ton argent en banque, tu fais comme un retour de genre 0.15% par année. Là. C'est un bon montant en plus. Mm. Tu sais, avec ces processus de finance décentralisée-là, il était capable d'aller chercher des retours, des yields de comme des centaines de milliers de pourcents par année. C'est sûr que c'était pas sustainable, puis ça crash à un certain moment donné, ces projets-là, mais pendant un bout que j'ai investi là-dedans, j'ai fait des gros montants d'argent dans vraiment un short time frame juste en investissant dans des projets comme ça. Puis les NFT ont décidé de reprendre ce processus-là puis de l'appliquer aux NFT. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils créaient leur propre crypto. Puis toi, tu stakais ton NFT dans leur smart contract. Fait que toi, tu prenais ton NFT de mon wallet à moi, puis je le mettais dans le wallet de la compagnie, du groupe de la compagnie qui faisait l'NFT. Puis en échange, par jour, ils me donnaient tant de leur crypto, un certain montant fixe à chaque jour. Puis quand je reprenais mon truc, ben j'arrête de faire de la crypto à chaque jour, puis j'y garde ma crypto que j'ai déjà faite. Fait que ça, c'était le processus pour leur crypto à eux autres. Puis ça, c'est une des utilities. Mais des utilities, en tant que tel, il y en a des milliers. Là. Il y en a d'autres que ça peut être que tu as accès à des trucs in real life, comme on parlait d'Olivier Primo tantôt. Il y en a d'autres que ça peut être que tu as accès à la communauté. Il y a plusieurs gros projets des blue chips qu'on dit. Les blue chips, c'est comme, mettons, voilà, comme c'était l'Ethereum ou le Bitcoin, mais pour les NFT. Fait que c'est des projets que tout le monde connaît, puis tout le monde sait c'est quoi. Cette valeur-là, comme les Bored Apes, il y a les Doodles aussi. Doodles, c'est un projet semblable. Il n'y a aucune utilité à part la communauté. Une autre utilité, mettons, qui est quand même assez fréquemment utilisée, c'est qu'ils vont faire comme des airdrops. Fait que si tu as acheté ce NFT-là, ben t'es dans leur roadmap, ça va être écrit, on va faire collection 2-3, puis ça va être airdrop gratuitement à tous les holders de notre première collection. Ou tu vas avoir un whitelist pour ces drops-là. Fait que tu es sûr d'en avoir un. Il y a différentes façons de l'utiliser, ce truc-là. C'est quoi un roadmap? Un roadmap, ça se dit, c'est quand même assez self-inducing, mais c'est essentiellement le parcours que tu veux prendre avec tous les objectifs que tu vas vouloir atteindre pendant ton parcours d'NFT en tant qu'entrepreneur. Fait que moi, je mets un roadmap en place pour notre projet qu'on a, par exemple. Je dis qu'on va faire telle affaire à ce moment-là, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis c'est toi, en tant qu'investisseur, c'est là que tu peux voir la plus-value pour toi parce que tu dis, OK, ce truc-là, pour moi, ça va me donner tant de plus. Je pense que ça va avoir de la valeur. Fait que moi, je vais décider de hold l'NFT parce que je trouve que leur roadmap, il va donner de la valeur au NFT au final. J'ai l'impression que le utility, je sais pas si je peux le comparer ou le vulgariser comme ça, mais c'est un peu comme un avantage avec une carte de crédit, mettons, qu'on peut ramener dans le monde. C'est comme si tu fais des points, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme, hey, venez avec nous, on a ce side avantage-là. Ce plus. NFT-là va t'offrir ça, mettons. Ouais, c'est t'sais. Ça. Après mettons, chaque collection t'offre des choses différentes, puis c'est là que tu décides, tu sais, j'investis-tu là-dedans, selon le roadmap, selon l'équipe en arrière de ça, ouais. Tu sais, ça vaut-tu la peine d'investir, puis ça vaut-tu être rentable pour moi. C'est-tu tout le monde qui va mettre un roadmap? Ah, t'sais, online, qui vont l'expliquer, qui vont vraiment. Mais s'ils en mettent pas, jette pas. Ouais, c'est ça. T'sais, s'il y a pas de roadmap, là, c'est comme un red flag que t'sais, investis pas là-dedans. Ouais, dans le fond, on n'a pas de projet. Fait que. Ouais. Non, mais mettons qu'on est quelqu'un de super influent pourrait juste faire. Moi, je suis super influent, je pars ma crypto, ma collection d'NFT, puis je me base sur mon influence. Il y en a qui l'ont essayé, puis ça le flop. Ah, ouais, pour vrai. Puis mettons, ça fait combien de temps que le roadmap est un thing dans tout ça? C'était depuis le début. Depuis le début de la bourse, man. Dans le fond, là. Le ouais, roadmap, c'est la même affaire. Mais... Parce que dans le fond, là, les NFT, c'est spéculatif. Fait que quand tu achètes un projet qui n'est pas droppé, c'est que tu essaies de spéculer sur est-ce que le prix qu'ils me disent que je vais l'acheter, c'est un bon point d'entrée ou est-ce que c'est un point d'entrée de marde. Fait que je vais-tu faire d'argent ou non. Ouais. C'est la même affaire que la bourse, en fait. Là. Fait que quand tu regardes, mettons, tu achètes des actions de Disney, là, mais leur roadmap, c'est là. Eux, c'est juste défini par corps financier. Exemple, Q1, bon, on va le nouveau parc d'attractions Avengers, il sort. Ouais. Mais là, c'est le temps d'acheter. Tu le sais, quand il y a ça, c'est le temps d'acheter de l'action de Disney. Mais c'est un peu la même affaire, les NFT. Mais à la place d'être tangible, c'est un petit peu plus spéculatif. Fait que c'est pour ça que tantôt, Jamie disait, faut que tu te fies un peu sa team. Fait que est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose de similaire? Est-ce que c'est des gars qu'on peut prendre au sérieux? Est-ce qu'ils se montrent même le visage ou est-ce que c'est du monde qui reste caché en arrière? Genre, t'sais? Puis après ça, tu prends un petit peu toutes des informations, leur background aussi. Ont-tu déjà monté un projet similaire ou c'est des petits gars dans leur sous-sol chez eux, genre, ils ont juste réussi à mettre la main sur 30 000 $, faire un peu de marketing. Puis là, ils essaient de dropper un projet. Comme le roadmap,
essentiellement, ça existe depuis le début des entreprises. Ben, en français, dans le fond, c'est l'analyse qualitative, dans le fond. C'est, okay, ouais. C'est exactement ouais, ça. Ah, excusez pour les anglais. On peut redire aussi les mots, c'est quand on les dit en anglais. Non, mais nos stress, mais c'est justement avec ce nouveau monde-là. Puis, tu sais, justement, vous êtes des gens qui vont passer un message à travers le médium du podcast, puis d'essayer de franciciser le truc. Hey, Chris, c'est pas la loi 101. Non, mais pour vrai, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, je suis intéressé à ça, puis j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'y consomme tout en anglais parce qu'il n'y a pas assez d'infos en français. Fait que souvent, on devient dans un. En plus, on est québécois, fait que le bilingual mode, il est souvent activated. Là, hein? Mais au final, il y a un truc tantôt, tu as dit quand tu parlais de. C'est le physique, puis le tangible. Puis tout, ouais. Puis là, on parlait de metaverse, puis je voulais comme revenir sur ce détail-là. J'ai l'impression aussi que quand tu acceptes de parler de ce monde-là, il faut que tu acceptes de comprendre aussi le monde parallèle qui vient. Ben, le web 3.0, qu'il y a du gros changement, puis que tu le veuilles ou pas, ça change, puis Internet va toujours être là aussi. Puis, ouais, mais mettons, je te donne un exemple, si on parlait de Flex tantôt, puis tout. Mettons, je vais aller voir le profil Instagram de quelqu'un, puis il va avoir des abonnés, puis des vrais, mettons, abonnés, puis je vais faire, OK, ben c'est un Flex. Fait que, tu sais, d'une certaine manière, Black Mirror, l'épisode, je sais pas si t'as vu. C'était l'épisode où. Exactement de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Où est-ce que, genre, ben là, en Chine, c'est rendu qu'ils font ça, là, mais il y a comme des endroits où est-ce que pour acheter une propriété, whatever, fallait que t'aies un certain score sur 5. Ouais. Le mettons, t'as été méchant avec moi, matin quand j'ai payé mon café, ben là, moins 3 points, tu sais. Puis là, t'as. Puis un genre de. Ben. Sur 5, moins 3 points. Ouais, c'est vraiment méchant. Revenez-vous droite. Mais tu sais, c'était. C'est un peu une critique ou comme une analogie intense, mais c'est un peu ça qui se passe en ce moment dans le monde dans lequel on vit, puis ça tend juste à s'accentuer. Fait que si on part de cette prémisse-là, je pense que d'avoir un flex digital, ça fait comme du sens. T'sais. Peut-être que encore là, c'est dur à couper de le comprendre, de l'assumer, tu sais. Mais je pense que dans les années, c'est ça. J'imagine au début de la courbe encore, que c'est dur à assimiler. Ouais, c'est ça. On vient de finir la série Black Mirror, là, puis là, tu vois ça arriver, t'es comme. C'est récent. Ça se passe, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est qu'on est tellement au début de la courbe, un peu comme Internet dans le temps, là, que le monde riait d'Internet au début, puis. T'sais, personne croyait en Internet, tout le monde était comme « Ah, ça va planter, nan, nan. » Ouais. Ça a comme parti, ça l'a planté, parce que au début, ça l'a chié, puis après ça, 2-3 ans plus tard, c'est tellement devenu, tout le monde a Internet à cette heure, puis ça va être un peu le même principe avec les NFT et tout. En ce moment, il y a tellement de projets, comme qu'on disait tantôt, que ça commence à vraiment, il y a trop de projets, il y a du monde qui hack beaucoup, faut vraiment que tu fasses attention quand que, faut pas que tu cliques sur n'importe quoi parce qu'il y a tellement de monde qui essaie de hacker et tout que ça finit que genre, 90% des projets en ce moment ils floppent, mais il va y avoir un down, puis à un moment donné ça va juste repartir, que ça va être juste naturel comme Internet, ça va être le nouveau Internet là, 100%. As-tu vu The Billion Dollar Code sur Netflix, c'est bon, le truc de Google Earth? Non, j'ai pas vu. Ils se sont fait voler Google Earth dans le fond. Ouais, mais c'est des gars, après la chute du mur de Berlin en Allemagne, qui ont inventé le code de Google Earth, qui ont vraiment, ils l'ont présenté partout pendant 2-3 ans dans des science fairs, puis tada. C'était TerraVision. Ouais, TerraVision, ça s'appelait. Mais genre 6 ans avant Google personne Earth, croyait à l'Internet. Personne, jusqu'à temps qu'un dude de Google fasse. C'est une bonne idée. Ils ont travaillé avec moi. Moi donc un peu tes codes. Ah, nice. Puis 2 ans plus tard, ben, Google ownait Google Earth. Puis la ressortait sur leur nom. Fait c'était exactement dans la période début 90 où est-ce que les gens étaient comme c'est un coup de vent à l'Internet. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas tangible pour eux autres. Pourquoi on m'a encore laissé d'aller voir la planète? Si leur code, ça avait été un NFT, ils n'auraient pas pu se le faire voler. Tu penses qu'il va y avoir des patterns de même, justement? 100%, c'est le futur, man. Ouais, c'est genre, ça. Maintenant, tu peux acheter du land dans le metaverse. Genre, tu peux acheter du land dans le metaverse. Ça, c'est fou. Snoop Dogg, man. Ouais, c'est gros gars. Snoop Dogg, man. Ouais. C'est ça, c'est le futur. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, c'est ça. Snoop Dogg a acheté beaucoup de land dans le metaverse. Là, du land, c'est un. Le voisin, il a payé genre 500 000 US pour être le voisin Snoop Dogg dans le metaverse. Comme ça, le metaverse, mais t'as acheté un terrain. T'achètes un terrain, mais dans le metaverse, là, carrément. C'est de l'immobilier. On vient de le perdre. C'est ça qui me fait bugger dans tout ce qui est NFT puis metaverse, parce que je vais vous expliquer, moi, ma façon de voir, là, c'est que ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on se voit pas. On n'a pas le droit d'être dans même tout ça. On s'est tous éloignés. Puis là, finalement, on a le droit de se voir. Tabarnak, on va s'installer dans nos divans, genre avec un casque pour aller au bar ensemble. Tu sais, tu vas être à Laval, je vais être à Québec. Ouais. On se verra pas plus. On va se voir dans un monde virtuel. Moi, c'est ça qui me...
C'est pour ça que je pense que je veux pas embarquer dans le monde du NFT. La crypto, oui, mais le monde du NFT, je le vois trop en lien avec le metaverse. Ouais. Mais par contre, ce que tu me disais tout à l'heure, mettons un exemple avec les sacs Balenciaga, ça, je trouve ça, tu sais, je trouve que c'est du marketing, c'est différent, ça n'a pas tant de lien avec le metaverse. Il y a beaucoup de marketing en arrière de ça. Tu sais, t'es vraiment pas obligé là, d'associer là, le metaverse au NFT. C'est ça, là, peut-être que moi, je l'associais vraiment au metaverse. Ouais. Là, fait le metaverse, c'est un bridge, en fait. Genre, tu sais, c'est. Ouais. C'est pour pouvoir utiliser tes NFT. C'est pour pouvoir utiliser tes NFT. C'est juste un ajout, dans le fond, à cet univers-là qui est déjà créé. Puis il faut que tu le vois un petit peu, genre, tu sais, pourquoi il y a un gros boom là-dessus en ce moment? Quand, mettons, Christophe Colomb est arrivé en Amérique, là, puis il est arrivé, puis il a juste vu du bois partout, qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il y a du bois en crise, si je prenne en vente, puis d'en shipper partout, puis genre, je vais faire de l'argent en crise, je vais faire venir fucking de monde, puis that's it, that's all, moi, je suis le gars le plus riche qui a jamais existé, hein. Tu sais, puis je fais ça pour la Nouvelle-France, let's go. Puis genre, mais le metaverse, c'est un peu la même affaire, c'est Clive, c'est un terrain vaste avec les possibilités limitées. Fait que enlève les frontières, enlève les problèmes de langue, whatever, genre, enlève tout. Imagine quelque chose que tu veux, tu peux le faire dans le metaverse. Fait que c'est vraiment un bridge. Ça revient un peu à ce que toi tu me disais quand moi je t'expliquais ça, genre ma façon de voir ça, mais tu te mets en Inde où c'est qu'ils sont cordés un par-dessus l'autre, genre, puis qu'eux autres vont pouvoir comme sortir, genre, de leur pays. Mais c'est un peu. Mais en même temps, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à si on s'est éloigné, tatata. Mais moi, j'en retourne un petit quand j'ai dit il va y avoir un crash immobilier, c'est parce que j'ai une pensée par rapport à ça. Avant la pandémie, Google, Microsoft, GAFA, là, dans le fond, la toune de Nicolas Chikone. Ils investissaient déjà beaucoup dans la technologie nuage, puis genre massivement. Puis ils ont même développé des genres de tables de réunion où est-ce qu'on pourrait se voir dans le metaverse, en hologramme, name it. Il y a plein de manières de le faire, de la réalité augmentée, dans le fond. Je retourne à une anecdote. Quand j'étais à l'Uni en com, man, puis j'avais un meeting à 9h le soir, puis j'avais un cours à 8h le matin, puis là, fallait que je retourne à l'hostie d'Uni pour faire une rencontre de 30 minutes pour un projet. J'étais comme, pourquoi, man, je fais ça? Genre, pourquoi on le fait pas par Zoom? C'était avant la pandémie, puis là, j'avais l'air d'un érudit, man, de faire, on peut rien que se parler par Skype, la gang, tu sais. Ah oh, non, ça va être mieux de se voir en vrai, tout. J'étais comme, moi, je peux être parking, ça me fait chier. Anyway. Fait que là, on est arrivé aujourd'hui, la pandémie a forcé le télétravail, fait que là, tout le monde a embarqué là-dedans, tout. Là, il y a des tours qui vont se vider ou être, en tout cas, réutilisés. Mais le metaverse, d'une certaine manière, pour le boulot ou des trucs du genre, vont peut-être favoriser justement des moments de qualité physique avec des gens qui sont juste majorés. Tu as le cas de dessiner sur le même dessin. Non, mais ce que je veux dire, mettons... Non, mais c'est vrai, tu sais. Non, mais sinon, oui, il fallait oui, que tu ça, passes ouais. physiquement. Le point où est-ce que moi, je voulais aller, c'est que, mettons, là, tu sais, quand je vais à Toronto, là, OK? Le temps que tu sauves, ouais, c'est ça. Le temps que tu sauves. Avec du monde. Mettons, là, tu sais, t'as deux enfants, ta, mais tu vis dans une grosse ville, puis que pour te rendre à job le matin, tu sais, t'as 2 heures de transit pour aller travailler, puis après ça, 2 heures pour revenir. Va faire l'épicerie, va chercher les kids, ta. Si la majorité de ta journée, tu sauves du temps en travaillant dans ce monde-là, tu sais, en réalité, tu passes du meilleur temps de qualité. Fait que je pense qu'il y a un genre, une conjecture où est-ce qu'on peut voir ces deux mondes-là bien habiter ensemble, tu sais. Mais oui. Puis c'est à ce moment-là que, justement, ben là, ce monde-là va être encore plus intéressant parce qu'on va se dire, OK, dans ce monde-là, j'ai cette vie-là, ta, mais j'ai ma vraie vie aussi. Ils vont vivre conjointement. Fait que je pense pas que c'est juste négatif comme le monde virtuel. Non, non, monde c'est virtuel, peut-être juste parce que moi, genre, j'ai côté humain, genre, vraiment, tu sais, j'ai fait du sport toute ma vie puis du sport d'équipe. Mais il va être majoré. J'ai toujours été, moi, j'ai besoin de travailler. Tu sais, pas pour rien que j'ai demandé de venir me rejoindre dans le studio ici, à un moment donné, j'ai racheté mon partner, on était deux, genre, puis j'ai racheté mon partner, puis j'étais tout seul dans le studio, là. Puis qu'est-ce que je trouvais le temps long, puis genre, de me faire challenger et tout, genre, fait qu'à un moment donné, j'ai demandé aux gars, genre, ils startaient leur business, j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes? Puis, tu sais, ensemble, justement, on va se challenger. Tu sais, à un moment donné, je fais un montage vidéo, j'ai besoin d'une critique. Tu sais, j'aime ça être avec du monde, puis je trouve que le contact est complètement différent. Un meeting sur Zoom versus un meeting en personne, c'est complètement différent aussi. Là, la dynamique est différente. Là. Où est-ce que tu sens tout? Non, c'est pas tout. Mais moi, je vais être en singe en ce moment. Quand pour vrai, j'ai aimé ça le concept où tu as amené le COVID et ça. Parce que, tu sais, les entreprises. En gros, pendant le COVID, là, que tout le monde était chez eux et qu'ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Puis ça, les entreprises, tout le travail se faisait par Zoom ou à distance, fait que tout le monde restait chez eux. Puis les entreprises, ils ont réalisé que le travail, ça allait aussi bien que le monde soit chez eux au bureau. Oh ouais. Fait que là, tu sauves, un, sur tes employés, pour les employés, ils n'ont plus à se déplacer. De deux, toi, tu sauves sur tes bureaux, tu as moins de dépenses pour ça, le travail se fait aussi bien. Eux, ils se font pas chier, ils sont chez eux, ils se réveillent 5 minutes avant leur premier meeting, fais ton café, puis ah ouais. Mm-hmm. Fait que tu sais, moi, je trouve qu'il y a une grosse conjecture, comme tu dis, avec le monde du metaverse, parce que ce meeting-là, en ce moment, c'est sur Zoom, peu importe, mais que ça soit dans le metaverse ou sur Zoom, ça revenait
du pareil au même. Puis c'est là que je vois que surtout pour le milieu du travail, pour le sport, comme tu dis, puis ça, je vois pas trop l'utilité du metaverse en tant que tel tout de suite. Mais pour le travail en tant que tel, puis les rencontres, tu sais, tu peux faire une rencontre de Chine au US de même, les deux vous réunissez dans le metaverse, puis tu as plus de contact humain, comme tu dis, que même sur Zoom, que tu es juste dans l'écran, tu mets des lunettes, puis toi, tu peux bouger, tu peux te promener dans l'univers. Pour le PR aussi, développer des contacts, tu sais, maintenant, tu vas peut-être rencontrer dans des événements que tu peux, tu sais, comme l'événement que tu m'avais conté, là, de. Le festival de d'art de NFT là, que qu'on fait veut aller PR, à Palm Beach. Ouais. Mais bref, tu peux te rendre dans des événements là-bas puis rencontrer du monde, parler avec du monde que jamais que t'aurais vu. Genre peut-être bien quelqu'un en Chine tout, faire des contacts, faire des gros contacts influents que t'aurais jamais rencontré de ta vie si ça avait pas été du metaverse. T'sais. Ben avec la COVID, justement, tous les salons Expo Habitat, les salons chasse et pêche qui étaient tous cancellés puis tout ça, à ça, tu peux te faire sur le metaverse. Pis... Des choses comme ça, ouais, c'est pour ça. Puis une autre affaire, c'est un point que le monde il parle pas souvent, mais. Genre, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, puis lui aussi, tu sais, il est intéressé par un projet NFT. C'est un petit joueur de hockey, man, genre à 15 ans, il était déjà dans le budget 3, puis là, il était même dans LHJMQ. Puis il allait faire la team, tout était good, puis il est parti pendant son temps des fêtes, dans le fond, ses vacances. Accident de skidoo, man, paralysé pendant 6 mois, genre, toute la moitié de son corps. Tabarnak. Puis ça a changé sa vie un peu, tu sais, veux pas. Tu sais, tu réapprends à marcher, il y a plein d'affaires que tu fais, puis t'es genre, fuck, man, genre. Qu'est-ce que je fais? Puis il m'a tellement fait penser, puis je me suis dit, c'est quoi l'application du metaverse, genre, pour ces gens-là? Pour les gens avec des limitations physiques. Là, après ça, tu viens un petit peu, genre, de créer un autre style. Tu sais, quelque chose d'autre qu'ils ne pouvaient plus faire nécessairement, aller te promener, aller faire du sport. C'est peut-être pas ton thing, le e-sport, mais combien de personnes aiment ça, faire du e-sport? Puis combien de personnes aimeraient ça, genre, pouvoir aller chill avec tes amis, puis faire une activité quand même? Puis c'est, tu sais, tu joues à GTA ou tu joues à un jeu chez vous, tu fais des affaires, tu as du fun pareil, là, veux pas. Mais maintenant, au lieu de te dire toute la vie sur le metaverse, imagine des activités sur le metaverse juste plus spécifiques, genre, tu sais, c'est vraiment pas obligé d'être la grosse affaire, ça peut être ce qui est intéressant pour toi aussi. Hein. Ouais, mais c'est comme dans tout, là, si t'en abuses, tu peux en abuser, là, mais ouais. Si c'est un peu contrôlé, effectivement, là, c'est d'avoir une balance. Ouais, c'est ça, exact. Non, je comprends, non, c'est sûr qu'il y a du positif, c'est certain dans le metaverse aussi, là. Mais il faut comme croire. Effectivement, mais l'idée des handicapés, man. Ça l'idée des handicapés, c'est vraiment hot. Ouais. C'est ça. Mais puis aussi, c'est comme. Faut que tu crois à ça aussi, c'est sûr. Mais comme tu disais tantôt, je veux dire, l'argent au début, il fallait y croire aussi. Non, mais je dis pas que j'y crois pas non plus. Ouais, non, clairement. C'est juste que. Tu sais, je le vois que ça s'en vient. Puis je sais qu'en bout de ligne, je vais finir par y trouver une application qui va être le fun pour moi aussi. Ouais, exact. Fait que, mais tu sais, c'est un nouveau monde, c'est spécial c'est quand même. C'est tellement nouveau que, genre, tu sais, c'est juste porté à la critique. Puis, tu sais, on n'est pas apte au changement. Le monde n'aime pas le changement dans la vie. Tu sais, quand on est dans notre pantoufle, aussitôt qu'il y a de quoi qui change, on chiale. Ouais, puis c'est arrivé durant la pandémie, là, tout ça, le metaverse, il y a 2 ans, il parlait pas ben le metaverse. Non, c'est embryonnaire, là. Fait que là, tu sais, on était, comme tu dis, dans nos pantoufles en estichini, puis on faisait rien. C'est quoi de le dire? C'est quoi, mettons, vos perspectives, vous autres, d'avenir avec ça? Parce que, tu sais, on parle de, justement, la critique qu'on peut obtenir à travers ça. Vous autres, c'est quoi, comment vous entrevoyez ça, je sais pas, pour 5 à 10 ans, ce domaine-là, puis comment vous allez en profiter? Ben, moi, je pense que, tu sais, en ce moment, on parlait des applications dans la vraie vie, des utilités dans la vraie vie comparativement juste dans ce space-là. Mais moi, je pense que c'est vraiment le gros step qui va changer dans les NFT en ce moment. Puis je pense que toutes les grosses compagnies comme Nike, qui sont en train de dropper leur NFT, Adidas commence à dropper leur NFT. Tu vois toutes ces grosses corporations-là qui commencent à rentrer dans le milieu. Tu sais, on parlait de Microsoft tantôt, qui ont fait un investissement de je ne sais pas combien de millions. Tu sais, quand tu vois ces grosses corporations-là rentrer dedans, tu sais que eux, leurs produits, Nike, là, c'est des shoes, puis c'est Adidas, même chose, c'est un sports brand. Comment ces applications-là, c'est sûr que ça va être pour des trucs qui vont se passer dans la vraie vie. Parce qu'au final, ta vie, tu la passes ici quand même, mais tu ne la passeras pas sur Internet, on s'entend. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros changement de direction. Il va rester quand même beaucoup d'applications dans ce monde-là, mais je pense qu'il va y avoir un gros changement de direction pour beaucoup d'applications dans la vraie vie. Puis comment tu peux appliquer les NFT à ton business process à toi, à ta business? Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de business qui vont s'intégrer à ce processus-là. Puis nous, c'est pour ça qu'on a décidé de partir de Nouvelle Heure et tout ça. Parce que Nouvelle Heure, essentiellement, ça va être un launchpad d'NFT. Fait qu'une fois qu'on va launcher nos collections et tout ça, on est en train de se créer un gros nom en ce moment dans le space. Puis on veut être perçu comme les experts parce que ces compagnies-là, quand ils vont avoir besoin, quand ils vont réaliser en fait que les NFT, ça va être gros puis ça va être promising, puis ils vont en avoir de besoin dans leur business, ben ils vont venir voir nous, les experts, pour ce domaine-là. Mais vous allez créer des NFT ou conseiller vers? Les deux. Les deux. Les deux. On crée déjà des NFT en ce moment. Ouais. Puis
notre objectif, dans le fond, à court terme, c'est d'offrir de la consultation spécifiquement au Québec, aider, comme je disais tout à l'heure, un petit peu le space, dans le fond, à vraiment build des projets qui ont de l'allure et qui vont bénéficier la communauté. Fait que, legit, notre valeur, notre mission de base, c'est aider la communauté québécoise à embarquer dans le space et à faire des fous projets. Genre, ça, c'est notre concept de base. Genre, ça, c'est une conversation qu'on a eue, ça a duré 2 minutes, puis on a dit, OK, c'est bon, on le fait. Genre, c'était vraiment ça. Les gars ça, sont genre. Convaincus, là. Puis, mais c'est ça. Puis oui, on va faire du consultation aussi. Puis, tu sais, au Québec, là, on est en retard dans tout, mettons. Tu sais, justement, vous êtes genre, comme on parlait tantôt, il y a peut-être un ou deux podcasts dans le genre quand genre. La barrière de langue, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ben c'est ouais. Ça, tu sais, puis le petit pain, puis tout. Anyway, l'ordre le dit dans sa tune. mais vous pensez que c'est combien de temps avant que justement, c'est des, je sais pas, une compagnie québécoise ouais. Drop des NFT ou whatever? Ben, y en a parce déjà, que... Pour vrai? Ah, oh, ouais. Genre, ouais, y en a déjà? Ouais. Quoi, genre? Ben, je sais qu'il y a des grosses compagnies. Je me souviens pas. Une grosse compagnie. C'est ça. Il y en a déjà. Ah, ouais, qui? Philou va te le dire. Vas-y, Philou, hein? Non, mais pour vrai, je sais. Je me souviens pas c'est quoi le nom, mais je sais qu'il y a une grosse firme, je pense en comptabilité ou une firme financière. Québécoise qui vient d'acheter un gros montant et d'investir en gros dans Ethereum. Ils sont en train de contempler le fait pour dropper leur NFT. Il hey, faudrait que je retrouve le nom, j'ai l'image, j'ai leur tweet en tête, là, je le vois là, en ce moment. Là. Mais je faudrait que je lui colle, je vais faire des recherches tantôt, je vais te le trouver. Mais il y a Midway Group, exact. Le groupe de Oli Primo, genre, tu sais, ouais, ça avec. Là. Mais il y a des compagnies, plus d'institutions financières, comme on parlait tantôt, qu'eux, ils commencent à faire comme ok, c'est un asset pour de vrai, ça, puis ils commencent à considérer investir là-dedans. Mais il y a plusieurs, en fait, il y a déjà des ETF qui se font. En ce moment, sur le Bitcoin, l'Ethereum, puis ça. Puis toutes les grosses compagnies financières, tu le sais pas, mais ils ont des holdings en crypto. Ah ouais, c'est ça. Là, il y avait ouais. Ça, une partie de leur argent, puis ils se disaient, le Bitcoin, ouais. C'est la troisième plus grosse fortune du monde. Ça a dépassé l'argent cette année. Là. Genre ouais. Le silver, ça a dépassé le silver cette année. C'est calme, ça n'a aucun bon sens. C'est stupide, là, quand même. Ben, ça fait pas tant longtemps, justement, qu'il y a un ETF fonds indiciels pour la loi 101, là, mais de Bitcoin, du coup, ça fait même pas un an. Non, ça fait moins d'un an. Ça fait moins pas longtemps. C'est ça, c'est ça fait dans, de mois. Là. Dans le fond, un fonds indiciel, c'est comme S&P 500 ou whatever. C'est un fonds avec plusieurs comme participants dedans. Puis quand tu investis dedans, ben, tu sais que, mettons, le S&P 500, c'est le plus connu. Fait que c'est les 500 plus grosses compagnies, mettons, des States. Puis là, ben, s'il y en a une là-dedans qui drop, ben, puis il y en a une autre qui monte, fait que ça te sécurise. C'est comme un fonds comme plus sécuritaire. C'est diversifié. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais là, il y en a un de Bitcoin. Ouais, c'est ouais. Ça. Fait que là, tu peux acheter ça à cette sur comme la bourse comme, régulière. T'sais. Fait que c'est plus safe que d'aller direct vers le Bitcoin. Ben, non, c'est influé directement. Ouais, c'est différent. Plus mitigé, ouais. Peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, là, il y a plein de compagnies qui travaillent pour en faire sur toutes les altcoins qu'on appelle. Fait que toutes les autres tokens, les autres cryptos qui sont pas Bitcoin ou Ethereum. Ben, Ethereum, c'est un altcoin en fait. Là. Mais toutes ces autres petites compagnies. Ethereum, c'est considéré comme un altcoin. Là. Mais ça, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de NFT au départ, là, puis on va repartir là-dessus. Ouais. les cryptos, genre, à la ouais. Base. Mais toutes les altcoins. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pense-y comme c'était genre. Mets ça au dot-com boom. Ouais. Puis les altcoins, c'est comme toutes les compagnies qui avaient dans le dot-com boom. Puis tu sais, il y en a peut-être 1% qui ont survécu de ces compagnies-là dans le dot-com boom. Ça va être exactement la même chose qui va se passer avec ça. Fait que tu as plein de petites compagnies. Puis là, le monde, c'est pour ça que tu veux faire un ETF parce que tu veux regrouper ça. Puis prendre une portion du risque dans toutes ces petites compagnies-là parce que tu peux faire des. S'il y a des shots, des compagnies, si tu investis dedans aujourd'hui, tu vas peut-être faire un 100 000% de retour sur ton investissement. Là. Puis il y en a d'autres que tu vas perdre tout ton cash. Fait que c'est pour ça que là, ça devient utile d'avoir un portefeuille diversifié de ça, puis d'avoir un ETF de ça, comme tu disais. Hmm. Puis, mais, ok, là, mais j'ai une question pour toi. Ouais, parce que tu sais, tantôt, tu disais genre, que comme t'hésitais justement à ouais. Marquer des NFT et tout. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Est-ce que genre c'est parce que tu connais pas assez ça? Est-ce que c'est parce que t'as peur de faire un move? Genre, comme ça serait quoi que tu pointerais? Je pense que. Je pense qu'on en connaissait pas assez. Ça change que, un peu. Là, ben ouais, mais moi, je suis quelqu'un que j'aime ça connaître. Je master pas encore assez le domaine. Je pense ouais, que je suis pas au point d'être dans des groupes Discord. Puis je sais que ça existe, là, justement. Puis je suis pas assez. Pour l'instant, je consomme juste des podcasts de 4 heures sur ça. Puis j'y réécoute. Puis je repasse des sections. Puis tout. Puis, c'est comme le jump qui est tough à faire. Ben ouais, mais ben, c'est mon éducation que je veux qu'il soit un peu plus complète. Ouais. Mettons, ouais. I guess que là, je dois être à 55% de ce que je voudrais ouais. Comme éducation par rapport à. Puis avant de pogner un 75-80%, en tout cas, ça, c'est mes valeurs dans ma tête. Là. Ouais. Mais je prépare encore. C'est fucké dans sa tête. Ouais, c'est vraiment fucké dans ma tête. Mais c'est juste que. Puis tu sais, j'ai un PTSD de comme un de mes amis qui a perdu son compte, son numéro de compte de wallet, tu sais. Fait que, okay. Ouais, c'est ça. C'est de là qu'on parlait que justement, tu sais, il faut vraiment que tu fasses attention sur tous les liens que tu touches, puis tout. Puis tu sais, tu peux pas juste, tu sais, si quelqu'un t'envoie de quoi,
clique pas ces liens, genre que si t'es pas sûr à 100%, c'est là que ça devient dans le monde. C'est le prince d'Afrique que vous dites dans votre podcast. Ouais, ouais, ouais. Quoi, j'ai pas trois fois qu'il écrit le prince, là. Chris, le gros prince. Mais tout ça pour dire aussi, tu disais, tu sais, le step qui est dur à faire, mais tu sais, c'est comme dans tout, tu sais, mettons, là, je te donne un exemple, l'exemple de la grenouille, là, si tu mets de l'eau chaude, là, puis tu mets la grenouille dedans, elle va ressortir tout de suite. Si tu la mets dans l'eau tiède, tu commences à faire chauffer l'eau tranquillement, elle va rester là jusqu'à temps qu'elle meurt, tu comprends? Fait que... C'est quoi cet exemple? C'est vrai, mais c'est con, mais j'ai jamais entendu ça. C'est violent! Ça sonne vécu, en OK, là, on a dit qu'on faisait pas de montage. Non, mais tout ça en voulant dire que, tu sais, elle va rester là, l'eau va venir chaude, mais elle sortira jamais de l'eau chaude. Mais si tu la mets déjà dans l'eau chaude, elle va ressortir. Mais tout ça pour dire que... T'as-tu déjà fait ça? C'est violent. OK, c'est bon. Je viens de la tuque, OK, on est rien. Ça t'allait en aussi. C'est bon. Coupé! Ouais, c'est ça, j'ai dit qu'on faisait pas de montage. Finalement, on fait du montage. Mais, en gros, pour justifier mon exemple, c'est juste genre. Mais c'est une bonne image. Tu peux pas rentrer, mettons, dans le monde en se disant, OK, je vais me loader un Discord, un Twitter, je vais tout faire. Nanana, t'sais, vas-y tranquillement. T'sais, moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Que tu sais, j'ai jamais eu Twitter, j'ai jamais eu Discord avant une couple de mois. Je savais pas c'était quoi les NFT. Mais j'ai commencé tranquillement. T'sais, mettons, là. Je me suis fait un MetaMask, mettons juste mon wallet, puis je l'ai loadé sur mon Google Chrome, après ça, tu sais, OpenSea. Là, juste commencer à checker les collections. J'achetais rien, mais tu sais, je checkais. Là, je me mettais à l'aise un peu avec le site. Tranquillement, pas vite. Après ça, ben regarde, je vais me faire un Twitter, j'ai pas le choix. Fait que là, Twitter, là, comment ça marche, Twitter? Je sais même pas, tu sais, je me sentais comme ma grand-mère sur Facebook dans le temps. Là. Fait que là, je commençais à checker tranquillement, mais tu sais, tu peux pas tout faire d'un coup en te disant, Chris, ça va bien aller. Tu vas genre capoter. Fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu prends, tu sautes dans l'eau pendant qu'elle est tiède, tu réchauffes l'eau tranquillement. Mais je trouve qu'il y a tellement un appât du gain avec. Tu sais, on en parlait au début. Hey, j'ai fait tellement d'argent, toi, j'ai investi ça dans tel temps. Il y a un appât du gain, une facilité, puis que ça cache beaucoup de choses. Je pensais pas tant au roadmap qu'on parlait tantôt. Là. Ouais. Pour moi, quand, mettons, Bored Ape est sorti, là, ben, c'est un pas tant bon exemple parce que. C'est juste pour la communauté qui vient avec. Mais j'en avais aucune idée de me dire pourquoi 8-bit, mettons, c'était les photos juste en pixels. Pourquoi ça a marché plus qu'un autre? Hey, pourquoi je pas ça, encore aujourd'hui. Moi. C'est devenu aussi big parce que du monde big l'ont acheté. J'ai l'impression que ça, c'est un peu imprévisible. Mais je trouve qu'il y a tellement de facilité de dire tu peux devenir fucking riche, embarque là-dedans, qu'au contraire, faut que tu prennes ton temps, faut que... Il y a des risques, ça reste ton cash, ça reste ton portefeuille. T'sais, l'argent va nous gérer à un certain point. Mais de ce côté-là, comment tu approches un client, une personne qui te dit hey, « je veux rentrer là-dedans, qu'est-ce que je fais? T'sais? Pourquoi je devrais-tu y aller? » Ça a l'air tellement alléchant. Ah, c'est sûr que les profits ont l'air alléchants. Puis un truc qui est tricky dans le space, c'est que tout le monde va tout le temps montrer leurs profits, mais on va jamais te montrer leurs pertes. Mmh. Ouais, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui perdent des gros montants, là. C'est facile. Là. Mais c'est on peut le voir, par exemple. Tu peux voir, mettons, on peut voir ton wallet, genre, tu sais, comment ça s'est passé tes affaires. Là, fait. Ouais. Si mettons quelqu'un de bullshit pis dit je fais juste de l'argent, peut-être un peu comme quelqu'un qui joue aux machines, hein. Il gagne tout le temps de l'argent, mais tu n'entends jamais perdre de l'argent, tu sais. Ben là, tu peux aller voir, je peux aller voir tes transactions que t'as faites, tout, tu sais, je peux voir si tu me bullshit ou non là avec. Mais vois-tu ça, je pensais pas que c'était autant open. T'sais, je voyais ça un peu c'est comme les réseaux sociaux que tu vas dire je vais juste montrer les bons moments de ma vie, Chris, beau que j'ai eu, mais pas l'engalade avec ma blonde après. On s'est fait vendre la crypto-monnaie comme une crypto-monnaie genre du marché noir, là. À base, c'est pour ça, tu sais, en même temps, je reviens à ma fin de semaine passée avec ma famille. Les transactions là, sont facilement retrouvables. C'est tout crypté, ça. Là, c'est sûr que c'est un numéro. C'est un numéro. C'est de savoir c'est qui le numéro qui est attaché. Mais tu sais, au départ, moi, quand je me suis. Moi, je suis allé avec Coinbase, mais j'ai commencé le monde. C'est justement, on reparlera tantôt. Comment tu te lances, mettons, dans la crypto, qu'est-ce que la crypto? Mais tu sais, ils m'ont demandé mon permis de conduire. Ils ont beaucoup d'informations sur moi, là. Ouais. Fait que le numéro, mon numéro de dossier, mon wallet, en quelque sorte, il est associé à François Lambert, là. Fait que, pas le millionnaire, là, moi, François Lambert. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est pas de l'argent noir. Non, c'est ça. Tu sais, la plupart du monde vont mettre leur argent sur Coinbase, comme tu dis, puis c'est là qu'ils vont faire leur entrée d'argent. Mais ce qui est plus tricky, c'est qu'après ça, on parlait de MetaMask tantôt, puis ça, c'est un wallet que tu mets sur ton Google Chrome. C'est là-dedans que tu vas avoir tes NFT, puis tout ça. Mais ça, tu peux m'en faire autant que je veux, puis j'ai pas aucun KYC, aucun prise d'information de permis et tout ça à faire. Là. Fait que ça, je peux m'en faire autant que je veux, puis je peux envoyer de l'argent d'un compte à l'autre sans que le monde va voir que telle adresse de 0xABC s'envoie l'adresse à l'autre, envoie tant de montants à l'autre adresse.
Tout le monde voit mes transactions, mais tu peux pas savoir c'est qui. Jusqu'à temps que je retire par Coinbase le gouvernement. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu retires par une plateforme qui va falloir que tu t'identifies par ton numéro original. Mais au début, tu vois, tu peux mettre. Tu peux cacher de l'argent, mais tu peux pas la sortir. C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour la sortir, c'est pas mal sûr que tu vas. Genre, c'est sûr que tu vas te faire flaguer. Ben, pas que tu vas te faire flaguer, mais le monde va le savoir que tu sors d'argent. Fait que j'avais vu aussi à un moment donné un podcast qui disait que, tu sais, veux pas, là, les gouvernements, là, ils s'en est passé de l'argent en dessous de la table. Ouais. Fait qu'avec la crypto-monnaie, tu peux pas faire ça en quelque sorte. Non, parce que quand tu retires, tu passes par une plateforme qui est centralisée. Donc là, il y a une institution qui check là-dessus et qui va fournir cette information-là pour tes retours d'impôts. Moi, je suis content de faire ça. Ça me donne des points. Tu fais-tu du lobby politique? On sait pas. Genre, de quoi de fucking shady. Ok, mais pour partir justement, tu sais, je pense qu'on a bien parlé du NFT et tout ça. C'était pas de casser par robot au reste. Ah non, mais on va faire un drink. Avez-vous soif? Voulez-vous quelque chose? Bière, il y a du gin. Il y a du gin, du whisky. Des produits locaux. Un petit whisky. Un petit whisky. Un petit break drink pour ceux qui nous écoute en audio, là, ce sera pas bien long. Pour ceux qui nous écoutent en audio, esti, on a soif. C'est ça qui est ça. Un petit 7-up, hein. Oh, let's go. There we go. Prenez-tu ce que vous voulez. Vous des bières ou on a des drinks? Un petit drink. Un petit drink, ouais. Un petit whisky. Oh, de la glace. Il n'y a pas beaucoup de glace. On n'a pas eu le temps de la faire finalement hier, mais il y a une petite pince en arrière. On va faire ça propre. Tabarnane, c'est fancy pareil. Ouais, c'est. T'as fait de l'argent. Tu connais pas ça, tu connais pas ça. Mais mettons, c'était quoi pour le fun pendant qu'on se fait des drinks? Non, mais. Ok, on rec encore. Ouais, on rec encore, mais encore lisse. Moi, je fais pas de montage, t'es curé dans ouais, c'est ça, exact. Coûte cher. Le montage? Ok, non. mais ouais, c'est, mettons, c'était quoi le premier truc que t'as acheté, mettons, Christo? Tu vois, moi, tu vas capoter. C'est une histoire de malade pour vrai. Genre, le premier NFT que j'ai acheté ou la première crypto? Ces deux histoires sont cool. Ok, ben ouais. La plus hot. Non, mais mettons, c'est là où est-ce que t'as commencé avec, I guess, le moins de risque. Tu sais, mettons, demain, je vais acheter quoi? Je mettrai sûrement pas 10 000$ sur mon premier buy. Celui que j'ai le plus, mon meilleur move, mettons, dans mes premiers, celui qui a le plus été calculé, ça a été un call de Philou, dans le fond. Fait que j'ai acheté un projet, puis c'est quoi le nom, man? C'est une compagnie, genre, similaire à Azuki. C'était quoi déjà le nom? Asso. En tout cas, c'est un NFT genre de type animé, ok? Puis dans le fond. Ah! Vous, Life of Asuna. Qui est un manga? Puis ouais, c'est genre. Ouais, pis, ouais. Sincèrement, là, le prix d'entrée pour cela était vraiment cher. C'était pas pour n'importe qui, ok? Fait que dans le fond, j'ai payé 1,69 Ethereum pour un, puis j'ai payé 1,72 Ethereum pour un autre, ok? Tabarnak! Le Ethereum qui à ce moment-là valait. C'est parce que dans. Ouais, il était cher à ce moment-là. Ah, il était genre 4700. Ouais, si j'allais dire 4000. Ouais. C'était du cash en tabarnane, puis je l'ai acheté pendant que j'étais au Costa, justement. Ça a été mon meilleur move jusqu'à c'était maintenant. Sur le Boozy Cruise. Le lendemain. Check, Jimmy, check, c'est facile. Je les ai vendus avant de rentrer sur le Boozy Cruise. Pour vrai? Legit, je les ai vendus. J'étais sur la plage avant de rentrer sur le Boozy Cruise. J'ai dit, j'ai eu un petit call avec Philou. J'ai dit, Big, je viens legit de faire genre 9000$ US sur le temps des ventes. Il a dit oui. En même pas 24 heures. En même pas 24 heures, pao. J'ai vendu c'est parce ça. Parce que ça, c'était dans la grosse phase. Azuki venait de se faire release. Puis Azuki, pour ceux qui savent pas, c'est comme un blue chip. C'est comme l'équivalent des Bored Apes. Puis il venait de sortir. Puis le floor. Le c'est valeur sûre, c'est ça que tu veux dire par blue chip? Blue chip, c'est certified. Okay, exact. Puis Azuki, ça venait de sortir. Puis tout le monde en ce moment, après Azuki, c'était une grosse phase animée. Tout le monde sortait des projets d'animé. Puis tout ce qui était animé, ça flyait. Genre, c'était sûr que tu faisais de l'argent avec ça si tu le mintais. Fait que là, il y avait un gros hype sur tous les projets animés. Fait que là, je vois ça sortir. Puis ça, c'était le jour après, direct après le release. Puis le plancher était quand même assez bas. Fait que là, je me dis, c'est sûr que ça va monter over time. Puis là, je parle un peu parce que j'ai deux, trois chums qui sont à. J'ai une couple de connexions qui sont analystes aussi dans le domaine. Fait qu'on se jase tout le temps des projets comme ça. Puis là, on s'en parle. Puis on est comme, ok, c'est sûr que ça monte dans les prochains jours. On achète. Puis souvent, ce que je fais, c'est que j'en achète un. Pas longtemps, soit j'essaie de le mint sur la vente initiale ou j'essaie de l'acheter sur le marché secondaire direct après quand les prix sont quand même bas. Puis j'attends jusqu'au reveal. Parce que quand t'achètes un NFT, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir au début. Genre, c'est complètement random. Tu sais pas si tu vas avoir le plus rare ou le moins rare de la collection. Il y a aussi un aspect gamble là-dedans. C'est ça. Ouais, 100%, c'est sûr. Là. Mais en même temps, c'est du gamble, I guess, contrôlé. Là, versus parler de machine tantôt. Ben yo, non, c'est ça. Ce que je t'ai dit, moi, je les ai j'ai fait un Ethereum par NFT. Okay? Ouais. Puis il était pas revealed. Non, c'est ça. Puis quand ils ont été revealed, ça reveal, a perdu genre 10% de sa valeur live. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté à mon prix.
Puis que si cette personne-là l'a gardé à 2.70 Ethereum, mais ben le gars, il a perdu genre 2.30 Ethereum live. Aujourd'hui, il va genre 0.3. Là, ouais. Mais là, wow. En plus, là, avant que j'embarque là-dedans, t'as parlé de minter. Ouais. Peux-tu vulgariser cette terme? Ouais, minter, dans le fond, c'est la vente initiale des NFT. Comme toute compagnie, mettons, c'est qu'il fait un ICO, pas un ICO, un IPO, excuse. Ouais. Initial Public Offering. Quand ils rentrent en Wolf of Wall Street, c'est ce qu'ils font. Exact. Ouais. Quand ils rentrent, ils amènent des compagnies en bourse, ben ouais. Un mint, c'est comme la vente initiale des NFT. Fait que c'est la compagnie elle-même qui va vendre tant d'NFT au public à un prix fixe. Puis après ça, si tu veux acheter ton NFT, mais ça se passe sur le marché secondaire. Fait que le mint initial, c'est vraiment la vente initiale du produit par la compagnie elle-même. Puis après ça, toutes les transactions, c'est sur OpenSea qui est la plateforme principale pour transactionner les NFT. Qui est le marché c'est, secondaire. Puis là, c'est, okay. Mettons, de moi à toi. Moi, je vais acheter un NFT qui est en vente à quelqu'un d'autre, mais pas de la compagnie elle-même. Fait que, mettons, parce que ça fait quelques fois j'essaie de comprendre ce concept-là comme du bon. Ouais. Mettons, j'en prends l'exemple des sacoches Balenciaga. Ouais. C'est Hydrop, très bon exemple. C'est quoi d'exemple, puis après ça, t'as des deux têtes. Ouais. Qui lui, il fait juste lui mettre dans des situations, puis on est juste genre... Okay, fait que le contexte, c'est... Moi, j'ai mis en situation, puis c'est ça ma job. Mais mettons, c'est ça, ça serait un drop officiel, comme une vente, genre, I guess, de... C'est comme la vente de Balenciaga, puis mettons, tu sais, on y parlait tantôt, c'est une édition limitée. Ouais, c'est ça. Fait que le prix du resale, tu sais, moi, je vendais des choses, même affaire. C'est une édition limitée de Jordans. Tout le monde, il y en a 100 000 personnes qui en veulent, mais il y en drop 50 000. Mais le prix du resale va monter. Ouais. C'est le même principe avec le NFT. Okay. Voilé comme si c'était legit un produit, mais il est juste digital au lieu d'être physique. Okay. Mais ça opère de la même façon que moi quand je vendais des choses, que selon la demande pour un tel soulier ou une telle couleur pour tel soulier, ben le prix va être plus haut que pour celui qui est bleu que pour celui qui est noir. Mm-hmm. Mais c'est le même soulier, c'est Nike qui fait les deux mêmes souliers, c'est le même modèle, c'est la couleur qui change, puis tout le monde vaut plus cette couleur-là. Donc, elle va être plus chère, cette couleur-là, sur le marché secondaire. Mais ça m'apporte à une question avec des produits réels versus les NFT. En parlant de choses, ben là, pour les sneakerheads, d'habitude, tu les portes pas, tu les gardes de côté. ça se détruit avec le temps ou tes portes ouais. Si t'es un malade. Puis, en tout cas, il y en a, mettons, 100 000, il y en a de moins en moins. Ouais. Un NFT, il y en a pas de moins en moins, dans le fond. Il y en a. Fait que tu sais, j'en sors 10 000, il va toujours, dans 20 ans, en avoir 10 000 en circulation. Ça ils se détruisent-tu? Ils ont-tu comme une date d'expiration ou de quoi? Tu sais, je pense à... Mm-hmm. Ça me fait penser à un jeu CSGO, Counter-Strike, Si tu joues le skin, il commence à avoir des marques de guerre dessus, puis il est scratché. Fait qu'il a été utilisé. Puis il y a un site de revente de skins de CSGO. Ouais. Que tel skin, si tu l'as pas joué, ben il est crissement sharp, il est propre. Mais avec les NFT, y a-tu un truc comme ça que ça dévalue? Y en a-tu moins? C'est pour ça que la demande à un certain point peut-tu augmenter? T'sais, s'il y en a 10 000, il va toujours en avoir 10 000? C'est une très bonne question. Ben, il y a certains, tu vois, ça, c'est une autre utilité de certaines compagnies d'NFT qui vont mettre en place, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a un processus qui s'appelle le burn, en fait. Okay. Fait que tu vas pouvoir, il y a certaines compagnies qui mettent ça en place, que si tu as deux NFT, par exemple, tu vas pouvoir les burn, ces deux-là de la première collection, pour en avoir un de la deuxième collection. Puis cette collection-là, si, mettons, le supply il était de 10 000 pour la première collection, mettons qu'on dit comme exemple, tout le monde les burn, mais évidemment, il va en avoir 5 000 pour la deuxième. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de le burn. Donc, le supply de ça, si tu continues à hold, ben le supply va juste descendre puis tu vas en avoir de moins en moins, donc la value techniquement va monter de celle-là. Donc c'est pas nécessairement intelligent de burn pour avoir le plus récent mais de conserver mettons ton antique. C'est ça, mais si t'es moins gambler, il y a plein de stratégies, il y a plein de stratégies. Parce que tu sais, dans l'autre, peut-être que tu vas avoir un rare dans la nouvelle collection aussi puis tu n'avais pas un rare. Il y a plein de stratégies là, que tu peux faire. Là. Ça devient complexe. Ah, ouais, j'aime ça, Esti. Ça chicote. Ouais, j'aime ça, un petit vin aux machines, mais là, on dirait que ça commence à être intéressant. Je pense qu'on est trois gars, ici, qui aiment ça, là, le discours. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi je fais encore de la photo vidéo, tabarnak. On change la business. Monde, non, mais c'est drôle, mais tu sais, même dans notre domaine, justement, la photo, tu sais, il y a une fille, Cat Simard, là, qui est. Une photographe a fait des compositions de fou. Là, mettons, elle va aller prendre une montagne, mais elle va prendre trois fois dans la journée pour avoir les étoiles, la montagne, etc. Ouais. Puis ben, c'est rendu qu'elle vend ça en NFT. Fait que même c'est de voir qu'il y a une application. Il y a une façon de faire comme un vernissage que tu n'es pas obligé de. T'sais, on parlait de votre événement qui est au States, là, comme vernissage de NFT. Là, mais elle a fait ça, est capable d'exposer ses photos à tout le monde puis des ventes, mais en token à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui est propriétaire de sa photo.
Ouais. C'est là que, pour nous, mettons, pour notre business, des trucs comme ça, pour des photographes, des artistes, que ça devient complètement brillant. Mais c'est, oui. C'est un thing, ça, que tu... On a fait la diffusion en direct d'un... Le mois multi à Québec, ça s'appelle. C'est comme un truc où est-ce qu'il y a plein d'artistes du domaine des arts visuels très variés viennent présenter puis discuter de qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'année. Puis tout. Puis il y a eu une conférence sur les NFT. J'avais posé une question, puis tout le monde s'est callisté. On verra ce que ça s'apprécie. Mais la limite d'upload est quand même basse encore pour les NFT. Côté Meg, là, je parle. Ouais. Fait que, je suis pas au courant. Ben, c'est sûr. Je sais pas, moi non plus. C'est genre 200 mégabits à peu près. Mais je max, sais là. Par contre qu'il y a plein d'artistes en ce moment, des rappers, genre Snoop Dogg, ouais. avec Death Row. Tu sais, il a racheté Death Row récemment. Ouais, ouais. Puis release des tunes en NFT. Il a release un album. Hein? Il a release un album complet. Ouais, c'est là mais une tune, c'est pas beaucoup de mecs, pareil. T'sais, mais genre... là, tu vas être obligé d'acheter son NFT son dans NFT le fond si tu veux. Comme Kanye West. Ouais, mais c'est ça. Il y a des gens qui commençaient à parler de release, mettons, des scènes typiques d'un film ou whatever. Ben, NBA Top Shots. Mettons, à ce temps, les trading cards que tu avais normalement, que tu avais un paquet de cartes, ben à ce temps, tu peux acheter ça, mais en NFT. Fait que tu peux acheter puis avoir, mettons, des séquences puis être propriétaire de ça, tu sais, mettons le shot de Kawhi Leonard là, qui est fait, ben tu pourrais acheter cette séquence-là puis être propriétaire de cette séquence-là. Ouais, mais le qui va avoir l'original? Ben, oui. Toi. Non, mais qui va avoir créé l'original? Qui va avoir les droits de créer l'original? Le CBC, mettons, genre. Ouais, propriétaire des Raptors, ça serait... Je sais pas si... Tu sais, c'est Leonard, c'est-tu le propriétaire des Raptors? Ben, ça, c'est une question légale, mais moi, je pense que c'est un petit peu comme avec l'or, puis vous allez pouvoir me corriger si je me trompe. Mais admettons, t'as le droit d'utiliser une scène d'un film puis de la mettre dans genre dans une publicité que tu fais, genre. Ah, comme... tu vas payer des droits. Payer des droits, ouais. Il y a une question juridique en arrière de tout ça, mais ça se fait. Parce que, tu sais, mettons... Franzo nous disait par rapport à ça. C'est ce qu'il disait, c'est que tu peux reprendre l'or de quelque chose, genre, tu peux pas reprendre ce qu'ils ont fait dans le film puis le mettre exactement, faire un copier-coller. Ouais, c'est le mixer. Tu peux prendre ça puis faire ta version de ça. Modifié, genre. Parce que l'or, c'est trop versatile. Fait que il n'y a pas tant de droits d'auteur que ça. Tu peux reprendre puis le mettre à ta façon puis là, tu peux faire ce que tu veux puis tu n'as pas à payer de droits à personne. Si tu ajoutes un loop sur l'image, ben, tu viens de créer de l'or. Ouais, ben c'est comme un DJ dans le fond. Parce pas, que ben, au début, regarde la musique, ouais, man. Hein, au début, des... juste sur un tempo. Des ouais, ouais, mais des samples notes, hein, dans des rappers qui prenaient des vieilles tunes disco qui faisaient un sample. Ouais, mais ils payent pour le sample. Ça dépend. Mettons, c'est compliqué en crise. Ouais, Wu-Tang, man, ils faisaient toutes leurs beats sur des samples, man, pis tout ça, pis ils payaient des droits. Le droit d'auteur est sorti vraiment plus tard. Tu sais, Wu-Tang, c'est. Oh, ben, tu sais, il existait, mais. Parce que souvent aussi, sur les droits d'auteur, il y a comme une période de temps. Ouais, aussi. Ah, il y a comme un 50 ans après la mort de l'artiste, je pense. Fait que t'as comme une, deux générations à payer la famille, pis après ça, c'est open à tout. Fait que, mettons, Michael Jackson, la famille reçoit encore de l'argent des tunes qui passent. Mais Mozart, tu peux prendre une tune de Mozart, la mettre dans un montage, puis tu payes personne. Mais c'est tricky encore parce que c'est un domaine justement qui est très subjectif. Fait que, tu sais, comme je disais, la musique, c'est pas beaucoup de notes. T'sais, genre récemment, MGK, Machine Gun Kelly, sorti une tune, c'est une copie conforme à style d'une tune de Paramore, genre, mais le monde passe avec ça. Mais Olivia Rodrigo, qui est sorti, qui est une grosse artiste pop, qui a fait tous les talk shows que tu veux au monde, a sorti une tune que c'est exactement aussi comme une tune de Paramore, puis Paramore a refait 50% des droits de sa tune par après. Il a fallu aller en cours, il a fallu comme il y a plusieurs processus. Fait que le droit d'auteur, c'est tricky en. Ben, sur YouTube, mettons, si tu monétises une vidéo puis que t'as pas les droits sur la musique, ben l'artiste va avoir. T'es de monétise ou il l'envoie direct à l'artiste. C'est ça. Fait que c'est un domaine qui est, I guess, sans une analyse. Pense trouver quelqu'un de parler de ça. De droit d'auteur. Ouais, mais le droit d'auteur, tu sais, c'est complexe. Puis en même temps, tu sais, quand tu fais de l'art, tu sais, du NFT, c'est de l'art. Hein. Ben oui, c'est de l'or à 100%. C'est de l'or, tu sais, fait que l'or n'est qu'un mix, tu sais, grossier de tout ce que t'aimes en tant que, tu sais, mettons, moi, je suis le créateur, je viens avec mes inspirations et mes backgrounds pour créer ce que moi, je veux, tu sais. Fait que c'est dur d'arriver puis de créer, il y a rien de nouveau, dans le fond, tu sais. Sur du, quand même, moyen-long terme, là, tu sais, tu parlais de cartes, on parlait de toiles tout à l'heure puis tout ça, pensez-vous que ça va être comme à 75% en NFT, le monde, vont-tu créer plus de NFT que de vraies toiles ou de cartes d'hockey ou des enfants de même? Mais admettons, là, on chante tout dans notre char. Il y a plein de monde qui aime ça chanter dans leur char. Genre. Est-ce que c'est parce que tu chantes dans ton char, tu vas aller dans un studio et tu vas enregistrer une tune? Non, faut vraiment que tu dises non, mais moi, je pense que je suis assez bon pour monétiser ma passion. Genre. Fait que je pense que ça va vraiment varier. Fait que s'il y a plein de gens comme nous qui décident, genre, OK, on a fait nos recherches,
Nous, on est une entreprise, on a une société enregistrée, une société par action. T'sais, on a toutes fait les bonnes étapes pour venir au point où on est live, qu'on est prêt à dropper des collections. Il faut que tu aies un certain poids, puis une... il faut que tu aies une notoriété, en fait, là, pour un peu, pour sortir de quoi. Moi, en tant qu'Antoine, LC Char et NFT, fin, je peux le sortir, mais c'est sûr qu'il y a... Je viens de voir qu'un bout de papier, je te dis, paye 100 piastres. Ça peut exploser, tu sais, je veux dire, mais c'est tout ce que tu vas mettre en arrière de ça. Parce que, tu sais, on dit de sortir un NFT, c'est facile de dire, OK, je vais mettre une image à vendre, tada. Mais tu sais, en arrière de ça, il y a tout le monde, tu sais, les directeurs artistiques, le monde qui vont faire ton NFT, le monde que tu payes pour faire de la pub. Tu peux payer du monde pour que ça blow up sur Twitter, Instagram, tout, mais c'est d'avoir un esti d'équipe chargée en arrière de ça, que eux vont faire en sorte que toi, Antoine, que tu sais, mettons, t'as pas beaucoup de followers, que tu penses ça blow up ou pas. Mais si tu mets l'argent à bonne place, mettons, dans le marketing, mais ça peut blow up, là. Puis si l'idée en arrière de ça est incroyable, puis que tu sors de quoi que, tu sais, mettons, si tu copies quelque chose puis que c'est pas tant malade, faut que tu te dises en arrière de ça en même temps. Faut que je le vende comme si c'était malade. Ben, le NFT que tu vas sortir, toi, personnellement, tu voudrais-tu l'acheter, mettons, ce NFT-là? Ouais, faut que je me mette à la place du client. Mais ouais, ça me met à dire que vous voulez en sortir. Quel artiste tu vas voir, si des trucs que t'aimes, mettons, vas-tu voir un tatoueur? C'est quelle direction artistique vas prendre pour dire... Mettons, la première collection qui va quand même être symbolique pour vous autres, t'sais, sûrement que vous l'avez déjà en tête, là, sans peut-être avoir l'exclusivité. On est très avancé mais... dans le processus. où est-ce que vous allez tirer vos cartes puis choisir quel artiste? Comment que ce processus-là va se faire de la création, dans le fond, de ce NFT-là? Parce que ça va être n'importe quoi. T'sais, on parle d'un singe, ouais, on va parler du 8-bit. Quel style nos que vous allez voir? Nos inspirations, man. Que ça va être un épisode, quelque chose qui vous ressemble. C'est bien la thématique que tu vas choisir. T'sais, nous, on a une thématique, je vais pas te dire trop de notre projet. Là. C'est bon. Les NBA, filou. Ouais, c'est ça. Mais on part d'une certaine thématique, puis après ça, t'sais, des artistes, il y en a une shitload, là, pour excuser le terme. Ouais. Mais il y en a vraiment beaucoup sur le marché. T'sais. Fait que là, après ça, il y a autant du pic, ça peut être pixelisé, comme autant ça peut être du 3D super réaliste. Fait que là, c'est vraiment, vraiment par rapport à la thématique que tu vas essayer de t'approprier. Puis au genre, tu sais, dans le metaverse, il y a deux styles de metaverse qui existent. T'as Sandbox, que c'est comme un style comme Minecraft. Ouais, genre, tout ce que Snoop Dogg est, c'est ouais. Digit en Minecraft. Puis t'as Mana Decentraland, qui est complètement différent, mais c'est plus réaliste. Fait que tu sais, ça va vraiment être selon le style que toi, puis ta compagnie, puis l'image de marque que toi, tu vas avoir. Mm. C'est vraiment par rapport à ça que tu vas faire tes choix d'artiste. Il y en a trop dit, là. Non. Non, mais je l'écoutais, hein, vous m'avez vu, je suis mais aussi, tu sais, ça c'est une affaire. Si vous voulez, tu sais, mettons, vous autres, là, vous décidez, vous assis, vous dites, check-moi les clowns, assis là, en train de dire qu'ils connaissent ça, genre, pis veulent se faire la connexion NFT, on est capable aussi. Genre, s'il y a un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est faites votre due diligence. Mm-hmm. Prenez le temps d'aller checker les 100 derniers projets qui ont sorti, puis au pire, ça sera 100 flops, mais allez apprendre, puis prenez le temps de regarder tous les petits détails. Fait que, scroll leur Twitter au complet, puis screenshot chacun de leurs posts, tu mets ça dans un Word, tu check, t'analyses. Est-ce qu'il y a, c'est quoi la structure qu'ils ont utilisée pour faire leurs posts? Est-ce qu'il y a une continuité? Puis après ça, tu vas être capable de corréler leurs efforts qu'ils ont faits avec leur structure, puis dire, ah, oh, mais Colin, celui-là, il était pas tant structuré, puis ils ont flop. Puis après ça, tu peux regarder tous les petits détails, parce qu'en ce moment, il y a plein de monde qui nous écrivent aussi, puis on apprécie vraiment ça, qui veulent avoir des services de consultation pour build des projets, puis ils viennent nous voir, puis leurs projets sont pensés sur une layer, puis après ça, ils ont comme laissé de côté genre 3-4 layers qui sont 10 fois plus importantes. Puis ça, il aurait sauvé tellement de temps en juste allant apprendre, prendre le temps de faire. Tu te rendras pas dans la Ligue nationale si tu t'apprends à tâcher tes patins de main. Là. Ouais. T'sais, faut, si tu veux faire de la grosse argent, il faut que tu passes du gros temps aussi. J'ai le goût de faire un genre d'exercice suite à ce que tu dis. Mettons, tu sais, Rich Bros, photo vidéo, c'est l'entreprise de mon frère. On vient vous voir, puis on dit, regarde, nous autres, on fait de la photo, parce que là, en plus, récemment, on monte un nouveau site web, on vend des prints, okay, par exemple. Puis je veux investir dans le monde des NFT, mais je veux aussi faire partie de ce monde-là, comme créer un truc, justement. Est-ce que... C'est quoi, comment le processus fonctionne à partir de là? Je vous câble, je fais, hey, les gars, moi, je veux embarquer là-dedans. Quel genre de service vous m'offrez? Quel genre de conseil? On n'a pas le temps pour eux. OK. ça va trop bien. On est au moins, ça va le mérite d'être honnête. On est là-dessus, tout le monde. Ça fait plaisir. Mais pour vrai, ouais, c'est ça. Comme on a de quoi qui
tant qu'à moi, se convertit dans le monde du digital, tu sais, à quoi ça ressemble le genre de service d'accompagnement que vous faites avec votre entreprise? Ben, on va premièrement vous accompagner. On va vous offrir un service de consultation pour commencer, parce que c'est correct d'avoir une idée, mais il faut que tu builds autour de ton idée, puis jusqu'à temps que ton idée soit concrète, genre, tu construis pas sur de l'air, tu construis sur une structure. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous accompagner à créer cette structure-là, dans le fond. Une fondation. Une fondation, exactement. On va vous aider à créer votre équipe, vous mettre en relation avec les bonnes personnes, que ce soit pour le marketing, les ressources financières, que ce soit pour juste aussi, genre, vous conseiller, avoir un petit... Tu sais, vous avez des idées, vous avez l'air d'être des gars quand même créatifs. Tu sais, on a fait le tour de vos studios tout à l'heure. Vous êtes des gars qui sont créatifs, vous avez plein de facettes, dans le fond, de votre bureau qui montrent un petit peu votre extension de votre personne. Puis vous allez shooter des idées, puis ça va être insane. Mais une idée insane peut continuer à être travaillée. Fait que nous, on va vraiment être là pour vous aider à travailler sur ces idées-là, puis amener ça à un autre niveau qui relate plus au marché des NFT aujourd'hui, puis au marché de demain aussi. Fait que ça, c'est une chose qu'on peut vous apporter. Puis après ça, vous autres, mettons dans la structure vraiment du deal, après ça, vous autres, vous prenez comme une cote sur le profit que nous, on va générer, ou c'est vraiment un tarif qu'on paye one shot? Ça ou... dépend, pour vrai. Fait que tiens, admettons... C'est custom. Ben, c'est premièrement, la première question que je te dirais, c'est que tu as combien d'argent? T'sais, c'est quoi ton budget là pour faire les trucs? On va pas te dire, hey, on va pogner 25 000$ US de dépôt de sécurité si ton budget c'est zéro pour l'instant, tu veux qu'on t'accompagne. Mais en même temps, si tu viens nous voir, ton projet il est extrêmement embryonnaire puis tu n'as pas une scène, on est quand même une entreprise, notre temps vaut de l'argent. Genre, il faut qu'on trouve un juste milieu. Pis c'est là qu'on justifierait, exemple, les ports dans la société. Parce que tu as une différence entre un client qui arrive et qui dit « Ah, ça a de l'air cool les NFT, j'aimerais s'en sortir, aidez-moi. » c'est OK. Ou « Hey, j'ai un projet, on fait de la photo, j'ai telle photo, et je pense déjà à approcher telle personne pour créer un hype. » Tu sais, notre projet, quand j'arrive à vous, n'est pas au même niveau. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand tu parles de tarifs custom, ça vient là aussi. À quel point tu es avancé toi-même de ton côté, puis quelle aide que je viens chercher de vous. Exact. Aussi, c'est ça, genre, le hype qui suit, mettons, je sais pas... Mike Ward, mettons, on drop demain un NFT, là, je sais pas quoi. Johnny Depp a droppé son NFT qui a été un... Johnny Depp a droppé un NFT d'une collection qui n'était pas du tout structurée, qui n'était pas A1. Il n'a pas rempli ses promesses, puis ça a été un méga flop. Beaucoup de monde ont perdu du cash. Quand tu parles de collection, c'est de n'avoir plusieurs, pas dropper juste... Une collection, c'est pas un item, là. C'est... Une collection, dans le fond, c'est que ça peut être regrouper plusieurs collections, exemple. Comme en vêtements, là. Ouais, exact. Okay, saison 1, saison automne. OK, ouais. <c'est> okay. okay. Mais tu sais, après ça, est-ce que Johnny Depp qui a créé ça doit rien, dans le fond, parce que c'est pas vraiment des clients, mais doit rien à personne? Ben, ça a floppé, ou semi, c'est ça, tu sais. Vu qu'il a comme mis des bases, il a dit « ça vaut autant, t'achètes, mettons, pour 100 000 ». Finalement, c'est un gros flop, j'ai perdu 50 000. Johnny Depp, au final, s'en varge un peu, ou il doit quelque chose en fond aux acheteurs parce qu'il a fait une certaine promesse. Et comment ça marche? Ben, ça, si tu flop à cause que tu remplis pas tes promesses, c'est là que ça devient plus. Ça peut devenir. Non, mais c'est ta responsabilité. Ouais, mais ça, c'est une responsabilité. C'est mais comme si tu flops parce que si tu accomplis tes promesses puis ça fonctionne pas, ben là, ça fonctionne pas, c'est tout. Mais tu as accompli ce que tu avais écrit. Mais tu sais, à cette heure, avec les deux gars qui sont arrivés à New York, là, justement. Il y a deux semaines. Ouais. Trois semaines. Moins que ça. Non, moins. Non, moins que ça. Quand on parlait d'un rug pull, un rug pull, justement. T'as aujourd'hui. Non, mais ça vient. Ça vient d'arriver. Là. Mais tu sais, quand on parlait d'un rug pull, il y en a beaucoup qui en ont fait. Puis, tu sais, même juste nos artistes, mettons, ils se sont fait approcher par des gars du Québec, que eux, ils étaient spécialisés en rug pull, qu'ils faisaient des projets. Puis ils finalement... ne font que crosser du monde. Ouais, exact. Rug pull, t'entends quoi par son nom? Rug pull, c'est ça. Tu sais, le tapis d'en dessous des pieds des gens. Là. Fait que tu prends le bag, tu prends l'argent, ciao, bag. Okay, fais des promesses, tu montes un projet, un setup, tout. Ah, on va faire ça, ça. Il y a un film sur Netflix, il y a une série sur Netflix qui vient de sortir. C'est une compagnie qui a été à Vancouver, je pense. Là, c'était dans le Bitcoin. Mais moi non plus, je l'ai commencé, j'ai écouté peut-être une demi-heure, là, puis tout ça, ça a l'air vraiment bon, mais c'est un peu le même principe. Dans le fond, là, lui, il disait qu'il pouvait sortir l'exchange du Bitcoin, si je ne me trompe pas, sans trop dire, justement, puis finalement... Tu pouvais investir. Le gars qui a fait l'escam avec sa compagnie, c'est un exchange qui avait fait exact. Ça. C'est ça, je pense. Exact, c'est exact. Ça. Il offrait une plateforme pour sortir. Lui, dans le fond, c'était une plateforme pour les Bitcoins, fait que là, je te donne un exemple, il y avait quelqu'un dans l'émission que lui, il voulait s'emmener au Canada, puis transférer... Dans ce temps-là, genre, il y avait
pas beaucoup d'échanges pour le Bitcoin. C'est dans le temps que Bitcoin n'était pas connu, fait que tu n'avais pas d'échanges comme Binance ou des gros joueurs dans le marché. Fait que c'était tous des petits exchanges pour vendre et acheter tes Bitcoins. C'est des petits exchanges. Tu es tellement dans un univers que tu ne connais pas que tu te dis ah, je ne connais pas ça, mais on dirait que ça fait du sens. Son nom, il a de l'air trop stable, il y a tant de clients. Fine. C'est ça. Mais tu sais. Lui, il prenait l'argent, il rentrait l'argent, puis tu pouvais pas la ressortir sur son site, dans le fond. Fait que là, le monde pouvait rentrer l'argent. Puis quand il arrivait pour la ressortir, mais ça marchait pas. Puis tu sais, s'était fait approcher par d'autres sites que genre tu sais pourquoi ça marche pas tout. Puis il disait ah c'est à cause que la banque fait pas confiance à la crypto tout. Fait que là c'est, l'argent est comme gelé. Mais lui il allait mettre ça dans d'autres exchanges puis tout. Puis il a gamblé l'argent un peu, qu'il a perdu beaucoup d'argent là-dedans. Puis dans le fond qu'est-ce qui est arrivé c'est que il est le CEO. Je vais pas se couper. Je vais l'écouter pareil. Mais moi aussi, je vais l'écouter. C'est sûr. Bref, dans l'histoire, le CEO, il est décédé, mais c'est lui qui avait juste les mots de passe, là, de tout c'est ça. J'en dis pas plus à partir de là. Mais, il est avec Bob Marley. Ben, tu le vois dès le début là, qu'il décède. Ouais, assez vite. Tout au début. L'histoire, elle commence à partir de là. C'est là que ça devient l'histoire commence, il est mort. L'autre film, t'es là. Il est avec Bob Marley, puis il y a Michael sur une plage. C'est un même désastre. Ben, y a-tu de quoi avec ça, genre. Ben, je sais pas si je m'en vais dans la même veine que toi, mais de paradis fiscaux faciles, mettons, avec sachant que t'es pas retraçable si tu sors pas l'argent. Ben, moi, je, t'as peut-être. Pas de paradis fiscal avec la crypto, c'est décentralisé. T'as juste besoin de jamais cash out ton argent. Ouais, c'est ça. Tu peux laisser. Il y a des, ce que t'appelles des stablecoins dans crypto, fait qu'ils sont pegged, c'est un terme anglais encore une fois, là. Mais sont, leur valeur est stable par rapport au US dollar. Fait que ça va toujours, cette crypto-là, il y a l'USDC, il y a l'USDT, il y en a plusieurs sortes. Un de ça va toujours équivaloir un USD. Fait que moi, je peux vendre de l'Ethereum puis acheter cette crypto-là à la place, faire un swap, puis il va rester dans mon wallet en tant que ça. Je suis jamais obligé de le sortir. Puis genre justement, tu vas acheter une Tesla ou peu importe, tu peux payer avec ton Coinbase directement avec un transfert de USDT. Mais c'est pas un peu genre bon de faire ça, de dire que là, mettons, je l'achète, peu importe quand il faut, j'achète ma Tesla 2 bitcoins. Ouais. Mettons que ça vaut 50. T'es overpaid. Ouais. C'est une crise de Tesla. J'achète deux, fait que mettons 100 000, mais après ça, Tesla sont propriétaires de mes deux bitcoins. Ouais. Puis ça continue à monter. Puis finalement, eux, ils font 120 000. Ouais. Ben c'est ça. Ben, c'est eux qui sont gagnants. C'est pour ça que. C'est ça qui est là, il est dans sa valeur, il perd à côté aussi. C'est pour ça que ça intéresse justement des joueurs comme Tesla ou des compagnies de que la perte est pas si dérangeante, mais le gain est vraiment à l'échange. Mais c'est parce que eux, après ça, ils ont quelqu'un qui va manage leur fonds en crypto, là, qui va dire OK, on pense que ça va dropper sur un macro plan. Fait que là, on en prend. Exactement. On va tout se mettre en stablecoin. Puis quand ils pensent qu'en ce moment, comme la période qu'on venait de pogner, qu'on a eu un lot, on va se remettre en bitcoin, ça va remonter. C'est sûr qu'ils ont un gestionnaire de portfolio qui gère justement leur crypto en arrière. C'est sûr que ça leur fait pas peur. Puis, exactement. Ils sont contents de ça au contraire là, que tu payes en crypto. Parce qu'eux, ils peuvent faire de l'argent sur portfolio, à 3h l'après-midi. En plus, depuis tantôt, je suis comme si mes chums m'écoutent, non, ils vont voir ça. Si tu bois pas de la bonne main, il faut que tu chugs. Si tu bois de ta main forte, si t'es droitier, puis tu bois de ta droite, tu fais quoi le buffalo, tu chugs. Depuis qu'on est jeune, qu'on joue à ça en plus. Right! Ben, sans blague, tu me sortis. Surski! Ok, mais justement. Ben non, mais le truc que je voulais aller, parce c'était. Parce qu'on n'a pas parlé de la crypto. De on n'a pas parlé de crypto. Non, mais genre la base, là. C'est quoi, là, tu sais, la crypto? Parce que moi. C'est quoi tu voulais aller dire? Je me rappelle même plus. Parce que dans un podcast. C'est une affaire d'influence. J'ai oublié. Mon idée est partie. Ah, ma bad. Ouais, non, mais c'est parce que c'est pas grave. Non, mais c'est moi qui respecte pas le buffalo. Non, c'est pas grave. Quand même bad. Non, excuse-moi, c'était par rapport à l'influence parce que ouais, c'est ça, Dogecoin qui est un peu un coin, un meme coin. C'est ça, justement, Elon Musk est un peu au courant de son pouvoir, de son influence. Ben, un tweet peut changer une bourse au complet. Ben oui, tu sais, puis il dit quelque chose, puis tout le monde. C'est un god dans la communauté crypto, genre decentralized, legit. T'sais, il est allé à SNL à une soirée que justement c'était supposé être le Doge D que les gens appelaient ça. Là, pis c'était comme ça va crissement exploser. T'as l'air, pour voir là, ça a planté. Genre, c'est pas ça, ça a planté. Ça a levé quand il en a parlé. C'est une thématique classique en crypto. Là. Ouais, ouais. Genre, sell the news. Genre, tu vas buy genre, le hype. Puis tu vas sell the news genre, quand ça va arriver. Là. Ouais. Fait genre, tu sais, tu vas buy quand ça va être annoncé. Tu vas acheter là. Puis la journée que ça fait ça, c'est genre, honnêtement, c'était quand même prévisible que ça allait faire ça. Désolé tout le monde, l'ordi a manqué de juice. C'est my bad. Ce qui est pas, c'est qu'on sait pas exactement. T'as-tu checké à peu près on était où, genre au moment où c'est que ben ça là, coupé, on parlait. En fait, on était dans le blockchain, mais. Ouais. Consensus, mécanisme, pis tout ça. Exact. Proof of stake, exact. Je savais tout ça. En fait, vous êtes là pour le vulgariser. Moi, je savais tout ça.
Puis là, éventuellement, le minage. Mais tu sais, en plus, avec tout ce que tu parlais tout à l'heure, le nombre de users, puis tout, là, moi, j'avais vu sur, encore une fois, sur les internets, je me souviens plus si c'était un podcast ou whatever, juste quelqu'un qui parlait genre de la crypto-monnaie. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui est merveilleux, dans le fond, avec le fait qu'il y a le plus de users, puis que ça passe par le blockchain, c'est qu'il n'y a pas de frais en tant que tel, dans le fond, versus une banque qui passe dans une banque, qui après ça, ship à une banque pour faire la transaction vers quelqu'un. Il y a beaucoup de frais là-dedans. Est-ce qu'il y en a en crypto? Est-ce que tu sais, il y a quand même un avantage au fait que ça passe pas par une banque? Ben, tu sais, mettons, les gas fees, ça peut être comparé, si tu veux, à ton frais de banque. Parce que, mettons, si tu veux faire valider une transaction, tu vas envoyer de l'argent de telle wallet à telle wallet, ben ça va te coûter un frais de transaction pour que le mais t'as pas des frais par mois, mettons? Non. Non, là, c'est juste par transaction. C'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir un abonnement mensuel à la banque, ben c'est vraiment case per case. Ils prennent l'argent par genre transaction. Fait qu'exemple, si tu achètes de l'Ethereum ou si tu le vends, ben, tu vas avoir un petit frais de transaction par rapport à ça. Puis après ça, c'est juste de faire tes recherches sur quelle wallet convient le plus à ce que toi tu fais. Fait que si tu es une personne de volume, ben regarde pour un wallet qui offre des plus petits frais par transaction. Puis si tu es une personne, admettons, qui non, en c'est achète. Pas par rapport au wallet. C'est pas. Ben ça dépend en fait. Là, non, pour... c'est vraiment par rapport. Le prix des transactions, ça va être par rapport aux transactions que tu veux faire. Donc les transactions qui coûtent le moins cher, mettons, c'est juste d'envoyer l'Ethereum, une crypto d'un wallet à un autre. Bon, mais c'est pas toutes les mêmes fees. Mais non, plus que personne, plus les gouées sont hauts, plus il y a personne qui sont. Plus le network est congestionné, plus que trafic, là, plus que trafic, plus ça va coûter cher. Puis par type de transaction aussi, ça va coûter plus cher. Donc, envoyer de l'argent, comme je disais, ça va être la moins chère. Si tu veux mint un NFT, ça va coûter plus cher en transaction. Parce que le contrat, le smart contract que ça utilise demande un plus grand usage, ça demande plus de travail pour valider la transaction. Donc le rewards au miner qui valide la transaction va être plus grand. Ouais, parce qu'il y a un reward à miner. C'est pas exact. Exact. Tout le monde veut le minter en même temps aussi, qui fait en sorte qu'il y a plus de trafic. C'est de là l'importance aussi, tu sais, on parlait un peu des whitelists. Les whitelists, je sais pas si vous savez un peu, les whitelists, ça va être une pre-sell avant le mint qui va être, mettons, si tu réussis à grind une whitelist puis être sur la whitelist, ben, tu vas pouvoir acheter ton NFT avant la vente initiale que tu vas sauver sur les gas fees parce qu'il va y avoir moins de trafic. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent comme une période de temps. Ils te donnent genre, t'as 24 heures ou t'as 4 heures pour minter ton NFT. Fait que tu peux choisir dans le 4 heures où ce que le gas fees va être moins gros. Mm. Fait que comme ça, tu t'es capable de sauver de l'argent par rapport à ça. Parce que une fois que ça tombe au public sell, c'est à telle heure, on drop tant de quantité, first come, first serve. Fait que là, il faut que tu sois vite sur le gas. On dirait que j'ai le goût de demander à quoi ressemble une journée typique dans votre monde de comment tu fais pour, tu sais, parce que c'est crissement de l'analyse. Tu connais ce jeu Valorant? Valorant, ben il y a un film là-dessus, je mais... Non, je te niaise pas. Je game, puis je chacun un peu sur mon deuxième. Ouais, c'est ça, non, mais connais-tu ça? Non, mais bon, c'est ça, mais pour vrai, ça ressemble à quoi, tu sais, c'est quoi vos sources d'informations? Ben, t'as trois bons exemples, je pense, là, tu sais, ça, c'est même un point qu'on pourrait y aller, genre, chaque... Non, mais on pourrait y aller, genre, individuellement un petit peu, parce que je pense qu'on n'a pas toutes, genre, les mêmes stratégies par rapport à ça. Sûrement, ouais, c'est ça. Tu sais, pour moi, de mon côté, là, ma journée typique, là, c'est quand je vois... Moi, je me fie beaucoup à des analyses d'experts, admettons, pour faire mes choix, puis après ça, je valide, dans le fond, les analyses en faisant mes propres recherches. Fait qu'exemple... quelqu'un dans un groupe, j'ai acheté une collection NFT, il y en a qui donnent des calls justement sur NFT, mais je vais aller voir, je vais valider le projet, puis je vais dire bon, mais lui, je vais en acheter un. Puis après ça, je fais juste checker. Tu sais, j'ai pas non plus, je transige pas 10 000 piastres par jour de NFT, tu sais, je suis pas rendu là pendant tout. Oh. Je suis proche, mais je suis pas loin. C'est fini ce podcast. C'est pas un vrai expert. Non, mais tu sais, fait que dans le fond, je regarde un petit peu les calls qui se font, puis après ça, ce que j'ai acheté, je regarde. Puis le reste, je fais un petit peu confiance avec le temps, genre à ce que j'ai acheté. Fait que je sais fondamentalement qu'il y en a que j'achète, que je veux garder plus longtemps. Puis je sais qu'il y en a que j'achète, que je veux garder moins longtemps. Je veux faire un quick flip qu'on appelle. Faut pas être émotif, là. Non, ça, vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est tough. C'est tough, en plus. C'est tough. C'est tough en tabarouette parce qu'il y a des projets qui sont fucking nice. C'est fait. J'ai un projet, c'est vraiment triste parce que. Genre, je vais parler de Boss Beauties. Genre que tu le trouves cool, mais qu'il n'y a pas pogné de son projet, Boss Beauties, puis c'est un esti de fou projet. Ils ont des collabs de malades. Tu peux en donner plus de détails si tu veux, mais genre, ce projet, tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, il y a toutes les raisons du monde d'être un des plus fous projets dans le space en ce moment. Puis je pense qu'il a droppé de genre, combien? Genre 2000%? Non, combien? Genre, c'est combien? Non, ils ont droppé de à peu près un deux tiers, fait que 66%. Hein, depuis que je l'ai acheté moi, puis je ne l'ai pas acheté au top.
Ouais, ok, moins de 2000. Fait que moins de 2000. Si tu l'achetais du top, si tu l'achetais du top en ce moment, tu perds comme un 2 Ethereum. Là. Fait qu'environ un. T'étais pas loin du top là, toi, quand tu l'as acheté. Non, ouais, j'étais pas loin du top. Ça fait mal. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Genre, c'est quoi ça fait vivre? Quelle est ta douleur? C'est le poignard. Ouais, c'est ça. Sans tourner le poignard dedans. Mais ouais, c'est quoi? Mais la perte, justement, d'être. Ben, tu sais, c'est un risque. J'ai acheté ça sachant c'était quoi le risque. Puis moi, ce projet-là, c'est un projet que j'avais regardé beaucoup avec d'autres analystes, comme je parlais tantôt. Pour revenir à ce qu'il disait, tu sais, moi, l'information, je la prends. Moi, je fais moi-même mes recherches. Puis j'ai le groupe, on a le groupe Nouvelle Ère WAGMI, dans le fond, que moi, je fais des calls sur ce que je pense qu'il va bien faire, ce que je pense qu'il va bien faire. Puis je fais une analyse détaillée de pourquoi ça va bien faire, un niveau de risque. Mais après ça, c'est propre à moi de dire, je prends toute ton information. Exact. Ou non. Puis tu sais, je vais mettre un niveau de risque dessus que tu peux essayer de te fier. Mais tu sais, encore là, c'est moi qui évalue le niveau de risque, puis tout ça. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui travaille avec le même capital. Fait qu'une fois encore là, faut que tu fasses ta gestion toi-même, tu sais. Fait que moi, j'étais embarqué dans ce projet-là, sachant que ça pouvait aller à zéro. N'importe quel projet peut aller à zéro comme qu'il peut aller à 10 Ethereum. T'sais. Faut vraiment qu'à partir de là, c'est la gestion de risque. Puis ce projet-là, comme qu'il dit, il y avait des collaborations insane. Là. Ils font des collaborations avec Marvel, ils ont un partnership avec Apple, avec Disney, avec Hugo Boss. Ils sont présentés aux United Nations. Pas des petits noms, là. Non, c'est ça, quelque chose. Gros, puis j'ai acheté ça, puis là, ils venaient juste d'annoncer leur partnership. C'était des rumeurs, les partnerships encore. Fait que je me disais, quand ça va être annoncé pour de vrai, puis qu'ils vont les faire, ça va exploser, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté des rumeurs. C'est tout ça, c'est ma stratégie. J'achète des rumeurs avant que le monde le sache, puis après ça, je sell the news quand ça sort. Puis en utilisant cette stratégie-là, jusqu'à maintenant, j'ai fait pas mal d'argent. Parce que c'est à chaque fois, il y a du hype quand la nouvelle sort. Mais bref, avec ce projet-là, pour une raison quelconque, qui provide un peu moins de valeur aux investisseurs en ce moment. Donc, c'est ça qui a ramené la valeur super basse en ce moment. Puis oui, ça fait super mal au cœur de voir ça. Mais en même temps, c'est un risque que j'étais prêt à prendre. Donc, dans ma gestion de portefeuille à moi, oui, ça fait mal. Mais j'étais prêt à avoir une perte liée à ça. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai le goût de me ronger les ongles. Mais... Il n'était pas content, il y a un soir. Non, je suis pas content. Ben, tu sais, je m'en vais à l'opposé d'être déconnecté de quand tu as une perte ou qu'il y a un drop de NFT que, tu sais, mettons, je trippe Marvel, j'aimerais ça que ça marche. Ouais. Puis finalement, le hype n'est pas là. Ouais. Versus, comme tu disais tantôt, j'ai vendu trop tôt, puis finalement, j'aurais fait genre 600 000. Mais faut pas que tu aies de regrets. Faut tellement que tu sois déconnecté. Une affaire que je me suis dit, puis j'ai fait au début, c'est une des erreurs que j'ai faites fréquemment, c'est que j'attendais trop souvent, puis j'en profite beaucoup. Puis je me disais, OK, c'est quoi, ça le s'en petit va, gain lune. Supplémentaire? Ah, c'est ça, ça s'en va, ça lune, puis c'est la pas du gain, comme tu disais. Là, j'étais comme, OK, je vais en avoir plus, je vais en avoir plus, je vais en avoir plus. Puis finalement, ça finissait par dropper. Puis des fois, j'ai vendu en perte. Parce que j'ai juste trop attendu. Puis là, je me suis dit, OK, on était en low, ça va remonter. Parce que là, c'est rendu bas comparativement à ce que c'était, ça va remonter. Puis j'ai vendu en perte après ça. Là. De là, l'aspect du gamble, un peu en arrière de ça aussi. Là. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que tu joues beaucoup avec. J'ai beaucoup joué. Puis là, maintenant, je suis rendu pas mal plus aguerri, je te dirais, dans mes jeux. Ouais, OK. Mais maintenant, tu vois, ma gestion de risque est pas mal meilleure qu'elle l'était. Puis maintenant, il faut toujours une des lois que je me suis mis en place, c'est que dès que tu es en profit, genre, tu sais, peu importe c'est quoi ton profit, ça va être du profit. Mais si tu essaies de le garder le plus longtemps possible, genre, il y a beaucoup de chances à redescendre en dessous de ce que tu l'as acheté. Là. C'est juste un risque. Non, mais c'est ça, pour vrai. Fait que tu sais, quand tu es en profit, il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre tes profits. Ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Il n'y a jamais de mauvais profit, en fait. Exactement. Un profit, c'est profit. Si tu genre, perds, peut-être tu perds, que tu voudrais faire de l'argent, mais en ce moment, tu fais de l'argent. Fait que si tu veux te sécuriser, tu peux le faire live, cet argent-là, là, à place d'attendre, puis peut-être en faire plus ou peut-être tout le perdre. Fait que tu sais, c'est vraiment de la gestion de risque puis un choix personnel à ce moment-là. Puis au début, j'essaie de chasser les moon bags puis qu'est-ce qu'il y allait fucking rocket launch. Ouais. T'es mieux de prendre de quoi de average qui va te donner tout le exact. Temps du gain average. Comme que ça, t'es capable de t'as une constance. C'est board ape, genre qui exact. Est rocket. Puis là, une fois que tu m'assures cette stratégie-là, mais là, t'as une constance à avoir tout le temps des profits sur tous les trades que tu fais. Ça sera pas les plus gros profits que tu auras fait de ta vie, mais c'est une constance à tout le temps faire ça. Après ça, quand tu fais ça, ben t'en achètes, au lieu d'en acheter d'en minter juste une collection, ben t'en mines trois. Fait que tu fais trois fois ces petits profits-là. Là, tu continues à faire ça, ça devient exponentiel vite. Là. C'est de là que j'ai parti ma stratégie, si tu veux. J'ai encore deux questions. En fait, dans l'échange que vous venez d'avoir, on parlait de justement d'un peu de routine, puis de c'est quoi justement des moves qui sont. Ben, c'est des moves qui, ben, que selon moi sont plus wise, là, mais sécuritaire d'avoir. Un petit gain constant que le truc qui va genre rocket juste genre tu vas faire 500 000 mais ça c'est quoi tellement rarement que... c'est ça c'est de manière comme moins
moins. Comment je pourrais dire pas analogique, whatever. En tout cas, moins figuratif, plus littéral. C'est quoi les plateformes que vous utilisez pour vous informer, mettons? D'où vient Discord, Twitter? Ben, tu sais, moi, quand je fais, mettons, si tu me demandes ça, quand je fais de la recherche sur un projet, ouais. Ben, toutes les compagnies d'NFT vont avoir leur Discord. Que là-dedans, ils vont mettre leur roadmap, le white paper. Le white paper, c'est quelque chose qui explique vraiment tout le projet de fond en comble. Pourquoi ils ont mis ça en place? Qu'est-ce que ça vaut, cette affaire-là? Ça, c'est expliqué dans le white paper, ça. Fait que moi, je vais aller dans le Discord, je vais regarder tous les channels d'information que la compagnie a mis. Après ça, une fois que j'ai pris ce qu'eux, ils ont mis en place, je m'en vais voir dans la communauté. Si la communauté, exact. Si eux sont actifs, à ce moment-là, ben, même dans le channel Discord, il y a un chat dans tous ces Discord. Pourquoi Discord à ce point-là, genre? Ben, parce que c'est. Il peut y avoir jusqu'à 200 000 membres, genre. Ça, c'est parce que tu peux tellement. C'est fait en sous-channel, c'est tellement bien diffusé que tu peux avoir la source d'information de la compagnie. Après ça, le monde qui en discute, genre les CEO, après ça. Le sous-monde qui dit... C'est comme Reddit, genre, de tout le temps un subfolder. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux choisir tes channels tellement... C'est bien fait, pour vrai. Tu peux choisir ton rôle, vraiment. Tu peux muter certaines mentions. Tu peux juste vouloir être mentionné toi-même, mettons. C'est juste ça que tu veux voir. Genre, tu sais, mettons, nous, dans notre channel qu'on a pour nous valeurs. Si je te montre vite fait, là. Regarde, check comment c'est ça. Il y a du monde au balcon, ouais. Mais check, c'est ça. Non, mais regarde, tu sais, il y a une conversation, ça jase. Après ça, c'est les calls que moi, je fais. Toutes les conversations. Je pense pas que tu peux casser Discord avec AirPlay. Ouais, non, mais être... recopie d'écran, mettons. C'est un iPhone? Ouais. Mais le switch-les à off, rouvre-les, puis genre... Recopie d'écran, moi, je peux pas toucher à mon sel. Oh. Cause du logo, non. Je te laisse gérer mes affaires. Je te laisse gérer le Discord de ma business. Et voilà. mais ouais, non, c'est ça. Donc, ben, Twitter c'est... aussi, c'est big en ce moment. Genre, Twitter, pour avoir accès à de l'information... Je pense que ça doit être quasiment mieux que Discord, genre sincèrement, parce que les. T'sais, c'est si, admettons, tu veux, c'est la même source d'information, mais le monde, ils vont faire des plus petits textes, plus condensés. Exemple, ils vont juste dire genre, hey, telle affaire, telle. T'sais, au non, PDP, mais... ils vont dire, va voir dans le Discord, genre, pour plus d'infos. Mais c'est pas juste ça, c'est que sur Twitter, tu sais, sur Discord, il faut que tu sois dans le channel pour voir l'information. Sur Twitter, tu peux avoir un retweet de quelqu'un que tu connais, puis tu vas l'avoir, l'information. Dans ton fil d'actualité, ça reach beaucoup plus de personnes que Discord. C'est pour ça que c'est les deux plateformes qui sont vraiment les plus utilisées. Comparativement à Instagram, que tu vas reshare en story, puis sur l'information sur Instagram, tu es obligé de faire des posts avec une photo. Sur Twitter, tu peux juste écrire un texte, tu n'as pas besoin de mettre une photo. C'est beaucoup plus, l'information, elle bouge beaucoup plus facilement. Circule tellement plus vite là, sur Twitter. Ouais. Vraiment c'est beaucoup. Pour ça, au Québec, c'est tellement pas connu tout ce monde-là que c'est pour ça tout le monde, personne n'a Twitter quasiment. Là. Moi, j'ai lourdé Twitter à cause de ça. Ça combien de temps pour le fun de Twitter? Ah, man, ça fait depuis que je suis revenu du Costa, 2 mois, genre. Ça fait 2 mois que j'ai Twitter, que j'ai appris à utiliser ça à cause des NFT. Ouais. Si ça n'avait pas été des NFT, là, Twitter, là, ben, je m'en suis, j'aurais jamais loadé ça. Là. J'ai commencé à apprendre à l'utiliser et tout, puis c'est carrément une nouvelle plateforme pour moi, mais ça va tellement vite, l'information circule vite que tu sais. C'est juste ton train de pensée actuel que tu peux mettre, que si tu veux poster quelque chose, ben, tu sais, Insta, ben, tu sais, faut que tu fasses une story ou n'importe quoi, faut que tu postes une photo, versus là, tu veux écrire, mettons, j'aime les podcasts, ben, tu sais, t'écris de quoi, pack, ça part, ton train de pensée, tu peux taguer du monde, tu sais, ça va vite, là, ça circule extrêmement vite, fait que c'est parfait pour, genre, tout transiger cette information-là, là. Puis moi, mettons qu'il connaît... Je connais peu Twitter, mais je connais, moi, la plateforme que je connais le plus, c'est Facebook. Dans le temps, je faisais des bands, puis tout, puis je manageais des... Oui. Oh! OK. Attends. Tac, je pense que la caméra était pas si sûre. T'étais juste en screen pour faire ton code. est-ce que Twitter, mettons Facebook, plus ça évoluait, plus il y avait des gens sur la plateforme, plus, mettons, dans le temps, tu faisais un post, tout le monde le voyait, tout le monde qui avait liké ta page, l'algorithme, le voyait. En fait. Ouais, c'est ça. Puis là, à ce temps, c'est genre 3% des gens le voient pendant une heure, puis sinon, ils kick off, puis tu vaux juste rien, puis sinon, faut que tu payes de la pub. Twitter, c'est juste. Tout le monde le voit, genre, ou... Je connais pas assez l'algorithme de Twitter, là, peut-être que... Ben, l'algorithme de TikTok est vraiment mieux fait, là, je te dis. Ouais, ben parce que c'est ça, TikTok et cryptocurrency c'est la chose qui bump, tabernacle. Si j'écoute un affaire de, ben tu sais, le dos du podcast qu'on parlait tantôt avant l'autre, tu sais, si moi j'écoute 2 secondes de ça, après ça c'est juste du Bitcoin dans mon algorithme. C'est ça. Ce qui est, tu sais, moi j'ai étudié en com, ce qui est incroyable, là. Si j'avais créé ça, je me cross-sucerais aujourd'hui. C'est la meilleure. Non, mais c'est vertical, c'est full screen, tu swipes, t'as tout le temps du contenu adapté, c'est honnêtement, c'est l'algorithme est fait en sorte aussi que, tu sais, tout ce que tu vas écouter, ils vont te feeder juste de ça, puis c'est tellement de l'information vite digérée, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, ah,
Twitter, pas Twitter, mais TikTok, j'aille ça, c'est juste des jeunes, des vidéos fuck all, mais c'est la plupart du monde sont pas sur TikTok. Si tu te mets à checker, il y a tellement de contenu éducatif sur TikTok, vite fait, vite digéré, que c'est mais next big thing en ce moment. Tu peux modeler ton TikTok, c'est ça que je trouve. Ben oui. J'ai pas TikTok parce que j'avais un peu cette... Ben, je veux pas me faire gaver de l'information, là. Je pars assez mon temps sur mon sel, je veux pas... c'est vraiment une bébite là, que genre, mais, tu tombes là-dessus. Là, si tu passes une journée à écouter du contenu qui t'intéresse vraiment, t'es au TikTok le lendemain, ton TikTok, ça sera plus des enfants de 12 ans qui dansent. Ça va être... Ton algorithme c'est va... C'est quand même drôle que ça soit des enfants de 12 ans qui dansent. À la base, je tiens à dire, il y a rien d'edgy. Ils ont acheté Musical.ly au début. Ouais, c'est la conséquence de ça. Mais c'était rouge, Antoine. Il n'y avait pas 12 ans, OK? Ouais. Je le savais pas. Si c'est pas noté, je le sais pas. Mais je pense que l'algorithme est assez fort pour dire si tu y mets genre à peine une journée de temps, tu vas revenir la main, il va être modelé à toi. Mais c'est cool ça d'une certaine manière parce que, tu sais, mettons, moi je suis sur mon TikTok en live puis ça va juste être des trucs de, je sais pas, de real estate, d'investissement, de self-development, tu sais, ce qui m'intéresse, de la musique, ce qui m'intéresse, puis ça sera pas, ben si t'arrêtes juste des chicks, tu vas juste des chicks dans ton feed, tu sais, mais. Le feed se customise à toi à 100%. T'sais. Mais là, c'est justement là que je me demande, t'sais, Twitter, c'est vraiment un truc où est-ce que vous avez construit un peu votre following? Je parle pas des gens qui vous follow, mais des gens que vous followez pour voir justement l'information qui est pertinente pour vous. T'sais. 100%, parce que où est-ce que je veux en dire, c'est parce que, mettons, peu importe l'information que tu prends, que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, t'sais, il va y avoir plein d'influenceurs qui ont des gros comptes puis tout ça, mais leur information est-tu vraiment bonne? C'est ça le point le plus important. Tu sais, tu follows des influenceurs, ils peuvent dire n'importe quoi, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont l'acheter parce qu'ils vont dire: ok, ce gars-là, il a dit qu'il fallait que j'en achète, il y a 500 000 followers. Les influenceurs sont payés pour ça. Exact. La désinformation, en fait. Tu varies tes sources. C'est ça. Tu varies tes sources, puis tu vas faire ta recherche toi-même par après. Puis tu vas voir, tu vas lire c'est quoi ce produit-là qui me dit lui d'acheter. Pourquoi j'achèterais ça pour de vrai? Genre, puis là, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils vont release bientôt, si ça vaut vraiment la peine d'acheter, si ça va monter. Tu fais une analyse. Mais c'est tough en même temps. Tu sais, si tu connais pas ça, là. Tu sais, me mettre, admettons, moi, là, quand j'ai commencé à être intéressé au NFT, puis ça, c'est comme, mettons, octobre. Cette année que j'ai commencé à intéresser au NFT. Ouais, c'est récent comme space, en fait. Aussi, c'est quand même un univers qui grandit super vite, puis. Comme moi, quand je me mets à quelque chose... Il y a un an, on n'en parlait pas bien bien. Au moins, multi, il y a une fille qui était comme prof à New York, London, whatever, puis elle était spécialiste en art digital. C'est juste son seul brag, en plus. Genre, moi, j'ai étudié à New York. Anyway. Puis, mais elle dit que c'est comme 2018 que ça a commencé, vraiment. C'est quand même old. C'est le crypto-punk, le projet. Ça a pas levé pantoute au début. Ouais, c'est ça. Les Bored Ape, ils n'ont pas sold out en disant. Ils étaient gratuits, mais au début, mais ça a été... Les Bored Ape, ça mint au début de l'été. Vite de même, genre une dizaine. Ils ont été... Le mint s'est passé pendant une semaine, ça a pris une semaine pour sell out les Bored Apes. Puis il y a des petits projets beaucoup plus petits, genre, le floor. Comme, qui n'ont pas mint, un gros floor. Le mint price était genre à 0.08 Ethereum. Aïe, aïe, aïe. Les opportunités manquées. Est-ce que tu te sens mal pour quelqu'un de naïf, justement, parce qu'on parlait d'informations, mettons, d'un grand dude sur TikTok qui va dire « Achetez ça. Ah, parfait, mais j'ai acheté ça. J'ai acheté. Puis, ah, si je perds ou quoi. » T'as-tu à te sentir mal pour quelqu'un de naïf, parce que c'est un milieu assez compliqué, on va se le dire, mais y a-tu à te sentir mal pour quelqu'un d'aussi naïf qui a fait « T'as pas checké tes sources, t'as pas checké ce que t'achetais, pour vrai, c'est un peu ton problème, là. » Ben c'est ça, tu sais, si l'influenceur il dit « Achète-le », puis genre, c'est wack un peu de l'influenceur, je trouve. C'est ça, c'est plus wack de l'influenceur que de la personne qui l'achète, parce que, tu sais, veux pas, mettons, les influenceurs qui vont se faire payer pour faire ça, c'est vraiment juste, genre, tu te fais donner un cachet. Tu es d'accord avec l'entreprise puis le message que tu pas, parce que tu mets ta face dans un promoteur puis un influenceur aussi. Parce que... Mais c'est parce que la plupart des influenceurs, ils vont tout le temps te dire à la fin de leur message, DYOR, do your own research. Sur toutes les posts, tu vas voir ça, je te jure, si tu commences à traîner un peu dans le monde de la crypto, tu vas voir ça partout. C'est le même que. Pour se déculpabiliser. Parce que, puis NFA, it's not financial advice. Genre, à la fin de la ligne, c'est toi qui décides ce que tu fais avec ton argent. Moi, je te donne un advice ici.
tu fais ce que tu veux avec, mais à la fin de la ligne, c'est ton argent, tu décides. Ouais, ben, je pense même qu'au niveau légal, ils sont obligés de le faire. Hey, parce que récemment, je le voyais c'est justement dans des vidéos, puis tout ça, au niveau légal. Puis même des fois, ils font la mention. Au niveau légal, je dois le dire, je suis pas un conseiller financier. Fait que, dans les, si t'écoutes des vidéos YouTube, là, souvent, au début de chaque vidéo, ça va commencer par ça. Mais ça m'enligne justement à tu sais, c'est quand même 2h30 à peu près qu'on parle de ça. Malheureusement, il faut une fin à tout ça, mais je veux prendre le temps, genre, de sans. Tu sais, vous montez une business présentement qui va être justement pour des conseils dans tout ça. Est-ce qu'on. Tu sais. Vous dites ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous avez des conseils à faire? Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai pogné sur plusieurs sources d'endroits, genre à savoir que mes premiers cryptos, je les ai achetés. Ouais, c'est ça. Pornhub.com. C'est une bonne source. Mais, tu sais, j'ai commencé sur Coinbase parce que beaucoup disaient de commencer sur Coinbase. C'est un bon move. Puis, tu sais... Sur quoi vous conseillez? Parce que je pense que c'est quand même plus facile là, sur Coinbase. Coinbase, c'est comme un gros échange, tu veux. Comme des gros échanges comme Coinbase, c'est super reconnu puis utilisé par la plupart du monde, justement, qui entre dans le marché. Ils utilisent soit Coinbase ou Binance, qui sont comme les deux vraiment gros joueurs. Ouais, j'avais vu celui-là aussi. Puis toutes les coins, les tokens, les cryptos qui vont être plus mainstream, ils vont se retrouver là-dessus. Puis il y en a des milliers. Mais si tu veux aller plus dans des altcoins puis des trucs shit, qui sont... Des shitcoins. Ben, pas nécessairement des shitcoins, mais tu sais, j'apprends plus ça comme des... Plus complexe comme peu, des pink sheets. Tu sais, les penny stocks, genre. Encore une fois, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Tu sais, les penny stocks, tout ça, ça va se retrouver plus sur des milieux d'échange décentralisés comme Uniswap où tu peux juste swapper cette crypto-là contre l'Ethereum, mettons. Tu peux pas l'échanger contre du US. Fait que c'est ça différencie. Genre, en premier, il va falloir que tu passes par Binance, puis après ça, tu envoies de l'argent d'Ethereum à ton MetaMask, puis là, tu vas pouvoir utiliser Uniswap. Puis tous les petits coins, les coins qui sont en développement, qui sont encore des tout petits projets, ça se peut qu'il y ait beaucoup de potentiel, mais ils vont se retrouver là-dessus. Fait que c'est vraiment là. Mais si je te le conseille, mettons, pour quelqu'un qui n'a jamais été en crypto, puis tu me demandes comment je devrais commencer, où est-ce que je mets mon argent, c'est sûr que je te réfère soit à Coinbase, comme tu dis, ou à Binance. Ou à crypto.com. Il y a crypto.com, il y a Wealthsimple Canada, il y a ShakePay. Wealthsimple, moi c'était ma première plateforme perso. Puis genre, tu sais, c'était comme un petit hybride, là, genre un peu de Bitcoin, un peu de marché boursier, genre. Mais Wealthsimple, ils n'ont pas beaucoup de crypto. Quand j'étais dedans, là, c'était comme Bitcoin, Ethereum, that's all. Là. Genre, comme ShakePay, mais là ils ont grossi, mais ils en ont comme une dizaine si tu veux, puis c'est comme les 10 les plus mains, populaires, genre, les 10 plus gros market caps si tu veux. Les j'ai pas aimé ça parce que les updates sont pas faites régulièrement, genre en tout cas mon impression c'était que les updates étaient pas faites régulièrement, puisque même mettons pour des achats genre sur le marché boursier, genre des fois j'étais comme hey, là je veux vraiment vendre parce que c'est vraiment le temps de le vendre, puis comme l'information était pas good ou était pas updatée, fait que ça te disait tu peux avoir jusqu'à 10 minutes de délai. Là, t'arrivais pour vendre à un prix que t'étais en profit, finalement tu vendais, puis boum, t'es pas en profit, genre parce que ça a été trop long. Comme, tu sais, Wealthsimple, c'est cool, c'est une belle introduction, c'est quand même assez simple et classique comme plateforme. Mais perso, tu sais, moi, je m'aventure plus avec la crypto perso. Tu sais, j'ai mon wallet, dans le fond, où est-ce que j'ai mes trucs, puis sinon, j'ai mon ShakePay. ShakePay, c'est pour Bitcoin, Ethereum. Puis moi, je suis un gros joueur d'Ethereum. Comparé à d'autres mondes, non. Comparé à d'autres mondes, oui. Mais tu sais, moi, je joue avec le prix. Fait que j'achète quand c'est bas, puis je le vends quand c'est haut. Puis je mets ça tout le temps dans un stablecoin en dollars canadiens, exemple, dans ShakePay. Puis genre, je fais quand même de la belle argent avec ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui veut s'introduire à ce monde-là, qui veut faire une couple de pièces, ben, checker genre des Ethereum watchlist, genre. Tu sais, des Ethereum watch, genre. Puis là, le monde, ils vont dire, oh, ben, il arrive proche de son support level, il arrive proche de son niveau de support. Pense à en acheter parce que s'il remonte, ça va prendre. Tu vas faire une petite marge de profit ici. Il y a une application que je conseille, ça s'appelle CoinMarketCap. Puis c'est une application que tu peux mettre sur ton téléphone. Puis, ça, puis là-dessus, il y a pas mal toutes les coins qui sont listées, que ce soit des shitcoins ou bitcoin. Ils vont pas mal tout être listés là-dessus. Puis tu peux te mettre des alertes de prix pour certains, pour les coins que tu veux. Fait que si ça drop de 10%, ça peut te mettre une alerte, ça pop sur ton sel. Ce coin-là, il vient de dropper 10%. C'est peut-être une belle entrée pour moi d'acheter à ce moment-là. T'sais. Fait que ça peut être intéressant. Puis pour quelqu'un qui veut aller trader plus que juste du Bitcoin, Ethereum, ou juste avoir plus de feedback sur qu'est-ce qui se passe, puis avoir un beau chart en avant de toi, que tu peux lire l'information, puis pas juste avoir un chart en ligne, si tu veux avoir des candles, puis tout ça, si tu veux plus d'informations, je te suggère vraiment Binance. Ça, c'est de la plateforme. Moi, c'est la plateforme, puis là-dessus, c'est là que je faisais mon leverage aussi. C'est une plateforme, tu peux vraiment tout faire là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de coins de lister. C'est vraiment là que je trouve que tu vas avoir le plus d'informations pour ceux qui veulent commencer avec ça.
quand même, j'ai l'impression que je vais réécouter ce podcast-là au complet. C'est exactement ça, je me disais. Si je veux de l'information sur Internet, je réécoute mon podcast. Ah non, pour vrai, tu parlais, puis tout ça, il y a une couple d'affaires que t'as dit. J'étais comme, OK, il faut vraiment que je reprenne ce segment-là, puis il faut que j'aille chercher cette information-là. Ouais, ça passe trop vite là, en ce moment. Là, fait que, le podcast-là, il est plus pour parce que moi, juste ouais. L'application que tu viens de donner en plus. Là. Ouais. OK, mais non, c'est ça. Toi, t'as-tu un petit conseil, tout ça pour. Les gens qui veulent commencer, c'est moi le pourquoi, c'est pourquoi investir en NFT ou en Bitcoin, mettons. Ou... Écoute, parce que le bateau il est là, là. Mais tu sais, ça serait trop facile de dire le bateau il est là. Ouais. Genre, je suis qui moi pour te dire à toi, non, genre, clairement, ouais. C'est le temps d'acheter en ce moment. Moi perso, j'ai eu un bon succès en achetant des NFT, puis ça m'intéresse. Fait que pour moi, c'est le bon moment de l'acheter. Puis ça m'intéresse assez que je me mets pas les pieds dans le plat. Genre, tu sais, je prends pas de mauvaises décisions. Ou je prends des mauvaises décisions une fois de temps en temps. Mais je suis capable d'analyser, dans le fond, les projets que je regarde. Puis quand tu. Si ça t'intéresse, tu vas avoir bien moins de risques, en fait, parce que tu vas prendre le temps de regarder les choses. Fait que mon vrai conseil, là, c'est prends le temps de regarder un projet, genre, n'importe quel. Genre, va-t'en sur OpenSea. Clique, tu vas voir, là, il y a un top 100 là, avec les. Ceux qui prennent le plus de valeur, clique dessus puis va checker genre juste leur Twitter au pire. Puis après ça, si ça t'intéresse, va checker leur Discord. Et fais-toi un compte Discord puis va checker puis prends de l'info genre. Puis après ça, si t'aimes ça puis t'as de la misère à te créer un compte, comment je fais après ça pour en acheter un? Mais va sur YouTube puis regarde how to set up a wallet MetaMask. How ouais. to set up. Appelle Nouvelle Ère. Ouais. Dans ouais. Wagmi, dans Wagmi on a les how to do it. J'ai mis des tutoriels ouais. pour tout ça dans Wagmi. Dans Wagmi, tout est là. Fait que dans le fond, le meilleur conseil que tu peux avoir, là, c'est va sur notre Discord. Ouais. 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 100%. Ben non, mais c'est vrai. Là, c'est votre. Non, mais c'est vendez-vous. C'est quoi vos plateformes? Dites aux gens justement qui vont écouter le podcast comme comment vous rejoindre. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir aimé. En tout cas, moi, je l'aimais. Ce podcast-là, tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations que tu sois de zéro, ah, ouais. tu sais, que tu connaisses ou pas pantoute le Bitcoin. Ben, pas juste le Bitcoin, la crypto-monnaie puis les NFT. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'informations dans ce podcast-là, mais ouais. où c'est qu'on peut en savoir plus, mais par vous? Pour nous joindre facilement, ben, tu sais, comme qu'on dit, dans le Discord, c'est sûr qu'il va y avoir toutes les informations, toutes, mais tu sais, si on prend quelqu'un qui connaît pas Discord, qui sait pas, genre, tu sais, vraiment comment ça fonctionne, ben. Je vous dirais que la façon la plus facile de nous rejoindre, ça serait plus vraiment via Instagram sur notre Nouvelle Ère, dans le fond. Vous envoyez nouvelle, un message privé. Nouvelle, espace R. À commercial, nouvelle.r.eth. Fait qu'on va laisser au pire le lien à quelque part. Le lien sera à quelque part. Fait que directement sur Instagram, écrire un message privé à Nouvelle Ère, ça va être un de nous qui va répondre. Puis directement, tu sais, on peut mettre un lien aussi comment ça fonctionne le Discord. Mais un coup que vous êtes rentré dans le Discord, c'est vraiment facile à apprendre, c'est vraiment pas long. Puis, tu sais, juste toutes les informations vont être là. Puis c'est facile, tu sais, en mettant un à commercial, on peut joindre justement les leaders du Discord. Tu peux taguer quelqu'un dans le chat. Les leaders. Genre. Les leaders. Le clan. Ben, tu sais, tu peux comment crée pas le leader? Les modérateurs. Les modérateurs. Ouais. Puis c'est toute la journée, moi personnellement, tu sais, je travaille de mon ordi, on est en train de faire notre collection en ce moment. Puis ça, fait que on est pas mal tout le monde ici, on est tout le temps actif sur Discord. Fait que moindrement que tu lis les channels, t'as une question sur comment faire telle affaire ou t'as certains trucs que t'es moins à l'aise à faire, tag-moi dans le Discord, on va t'aider. On a une équipe qui est là pour ça. On est là pour aider le public. Ça, puis je pense que la communauté est belle aussi. Que exact. Le monde s'entraide pas mal. 100%. Le monde s'entraide tout le temps. Puis si, même s'il y a des membres qui sont pas capables de s'entraider parce que c'est un sujet qui est complètement technique, puis il y a pas beaucoup de monde qui ont touché à ça, ben nous on est là pour ça. Puis j'ai touché à pas mal tout ce que je te dirais dans le monde des NFT, de la crypto. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être capable de t'aider. Puis sinon, moi, je connais d'autres mondes qui sont encore là depuis plus longtemps. Exact. J'ai de la connaissance dans le domaine. Je suis capable d'aller chercher du monde qui vont répondre à nos questions. C'est sûr qu'on va trouver une solution à vos problèmes. Wow. Amen. J'ai l'impression que cette décision se vend par elle-même, en fait. Puis moi, demain matin, je joins ce Discord. Et, tu devrais. J'en fais partie. Wagmi Nouvelle Ère. Wagmi, by the way, c'est We are all gonna make it. We're all gonna make it. All right. Yeah. Okay, I like that. Ouais, wag me. Ben, en même temps, c'est ça. Si tout le monde participe, tout le monde gagne. Right? Exact. C'est justement pour ça, parce que je voulais que ça soit vu comme on va tous s'y rendre, parce qu'on va tous travailler ensemble pour s'y rendre. Ouais. C'est ça que je trouve cool, justement, du space NFT. Tout le monde share l'information, puis c'est moins un peu de la compétition, tu sais.
Fait que ouais. tout le monde veut c'est espérer le succès de tout le monde. Exact. Tu sais, au final, moi, je partage l'information, puis j'aimerais ça que tout le monde dans les groupes l'utilise, cette information-là. Ben, on disait justement, genre, de tu vas pas avoir la prétention de dire embarquer dans le bateau, mais embarquer dans ce bateau-là. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, 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 venez-vous-en, venez jaser. C'est pas compliqué. Venez prendre l'information, c'est ça. C'est, depuis le début, je pense que c'est ça le mot le plus important, c'est de prendre l'information avant de faire un move. Exact. 100%. Et vous pouvez en donner de la bonne. Tu sais, hein? Tu l'as dit au début du podcast, genre, tu sais, dans notre podcast, j'ai genre... T'sais, moi, mettons, j'ai un cousin, OK? Ouais. Et ça, c'est... Ouais. Bon. On parle d'un truc de famille. Mais, mais c'est bon, pareil, parce que le gars, il parlait d'un coin, puis je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est genre « si quelque chose », OK? Puis il a commencé à nous primer là-dessus, puis nous dire... Ça, les gars, en ce moment, il vaut 10 cents, mais il est underevalued de genre 1000%. Mais ça, c'est un coin à une pièce. Fait que tu le mets là, tu vas faire tellement d'argent. Ouais, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Puis là, après ça, c'est comme, OK, c'est quoi ce coin-là? Puis tu vas checker, OK, la team, j'en connais pas un là-dedans. Ils ont rien promis de ce qu'ils allaient faire. OK, c'est bon. Puis moi, je dis non. Mais il a quand même embarqué genre deux de ses oncles. Il a embarqué un autre de mes cousins. Genre, tu sais, il a embarqué une couple de c'est personnes. Puis, tu sais, admettons, il y a un de ses oncles qui a mis genre 5000. Ça a droppé de genre comme, tu sais, fois 4. Là. Fait que, tu sais, genre, à un moment donné, t'es comme, jusqu'à quel point tu veux continuer à faire confiance à du monde. Tu sais, si tu veux vraiment guider du monde autour de toi, puis ça t'intéresse, puis ton but, c'est de faire une banque personnelle, faire de l'argent, puis après ça, faire profiter de l'information au monde, viens juste jaser. Genre, ça va nous faire plaisir de te dire si on va aller faire les recherches, on va aller analyser, on sait comment faire, on va aller checker le projet que tu parles, puis dire genre, ça se peut que ça soit un peu fucké ou man, t'as quelque chose live, genre on va continuer à approfondir les recherches, on va aller voir dans nos autres personnes aussi qu'on connaît, genre hey, on va parler de ça, puis on va avoir une grosse communication, puis on va dire that's it, t'as quelque chose live, genre investir. Tu vas prendre quelqu'un par la main, mais le money move reste dans les mains de la personne qui a le portefeuille. Là. Ben oui, c'est gagnant-gagnant. En plus, c'était genre justement, si vous autres, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur votre watchlist, puis là, genre la personne en parle, c'est comme Chris, c'est hot, puis ben c'est hot pour toi, puis c'est hot pour nous, puis c'est ça. Ouais. We're all gonna make it. We're gonna. Hey! C'est un cercle! Hey, gros merci, ouais. Boys de Nouvelle Heure. Comme on dit, tous les liens vont être disponibles dans la description. Sure. Ou si vous écoutez en audio, là, allez voir les Boys de Nouvelle Heure. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Les Boys d'avoir ça fait, plaisir, Kodak, gros, ça fait tellement plaisir pour vrai, genre. T'sais. On est parti de loin un matin pour venir ici. J'apprécie en Christ. J'aimerais ça vous réinviter dans un an pour voir for sure. La business par après puis tout. Fait un gros merci. Mais là, Robin vient pas, il n'y a plus de place à la table. C'est max. Tu viens pas, Robin. merci les boys. Hey. Merci. Un gros plaisir. Peace merci out. À vous autres. Peace out, ciao. Ciao. Yes sir, let's go. Yes sir, let's go. Hey, si tu veux encourager notre podcast, ben c'est simple, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à toutes nos autres plateformes. Merci.